Ah, ok. Donc, avant de commencer, j'aimerais que vous me disiez, je sais pas, soit dans le chat, soit à l'oral, hein, sur ces notions-là, est-ce que vous en avez déjà fait, déjà entendu parler? Est-ce que vous comprenez à peu près ce que c'est ou pas? Petit 1, je dirais la notion de d'application linéaire. Moi, je connais rien du tout. Application linéaire, calcul matriciel. Donc ça, c'est pour un des domaines. Après, calcul différentiel. Et puis, un peu de proba. Et puis, dans les probas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de likelihood, c'est-à-dire de la vraisemblance. Voilà. Et puis En fait, éventuellement. tu crois qu'on est tous profs de maths, en fait. Non, mais il y a des choses que vous avez peut-être vues dans vos études ou pas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fonction logistique? Voilà. Alors, rien que dalle, personne? Si, ça Quelques me vieux parle, restes de hein, militaire mais il y a plus de 20 ans, mais partons du principe que je suis vierge. Non, je ne vais pas partir du principe que tu es vierge. bah non. Alors, du coup, alors, ça, bon, c'est juste une fonction, c'est, voilà, ce sera simple à expliquer. Le lien avec les probas, je pense que vous le verrez. Si vous savez qu'une proba, c'est compris entre 0 et 1, ben on va s'en sortir. Ça, il y a moyen que je l'explique assez facilement quand on en aura besoin. Par contre, là, ça va être délicat, parce que si vous ne savez pas dériver le calcul différentiel, il y a tout un pan des neurones que vous allez devoir admettre et faire avec. Et le problème, c'est que pour récupérer le niveau là-dedans, ça se fait pas, voilà, ça se fait pas comme ça, quoi. C'est le calcul différentiel, personnellement, ça se travaille sur plusieurs années. On commence à en voir en première, et puis, je veux dire, il y a des mecs qui font des thèses dessus, quoi. Donc, et puis, on en utilise encore dans des trucs aussi poussés que les neurones artificiels. Calcul matriciel, au final, on pourrait dire que là, on s'en sert vraiment comme une simplification des écritures et du code pour avoir un truc plus lisible et plus facile à écrire. Mais ça reste un calcul très simple d'application linéaire, justement, et on pourra rentrer dedans. Bon, ben voilà, au moins je vous aurais mis les 5 grands trucs qu'il faut un minimum comprendre pour pouvoir piger ce que je vais vous raconter maintenant. Alors, l'idée, c'est on veut faire du deep learning. Alors, pour l'instant, il n'est pas très deep parce qu'on va faire qu'un seul neurone, et je ne sais pas faire autre chose pour l'instant, hein. Et le deep learning, en gros, si on devait faire des sortes de petites bulles comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà fait, enfin si vous avez déjà bossé le truc, mais en gros, on a toute la théorie des IA, d'accord? Donc par exemple, tout ce que David nous a appris, les machines à état, etc. Là. Donc les machines à état, c'est une manière de faire des IA. Et en fait, à côté de ça, il y a un autre type d'intelligence artificielle qu'on pourrait appeler le machine learning. Et au final, le neurone que je vais vous présenter, c'est du machine learning. C'est un machine learning particulier et je vous montrerai quand on aura écrit le neurone, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soit aller, entre guillemets, soit rester dans le machine learning sans faire du deep learning, et qu'est-ce qu'on appelle le deep learning après. Donc le deep learning, C'est c'est imbriqué une dedans, c'est ça? sous-catégorie du machine learning. D'accord. Et machine learning, Oh, ça coupe, c'est m'énerve, je comprends imbriqué dans les pas. machines Ouais, à voilà. état, c'est ça? Je disais Mais, les ah non, ouais, non, machines. non, 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 c'est une sous-catégorie plutôt, les machines à état, tu vois. On dirait que c'est un truc à part, en fait. Tu vois, c'est un truc à part. Donc là, on a plein de domaines que je connais pas forcément, hein. Moi, je découvre Les aussi, hein. systèmes experts, par exemple, Pardon? les systèmes experts qui furent très utilisés dans les années 80-90.
Alors, je sais pas ce que c'est, tu les mets où les systèmes experts, toi? Ouais, c'est comme le machine état, le machine learning. En fait, un système expert, c'est un truc tout simple dans le sens où tu n'as que des assertions qui sont vraies. Par exemple, tu vas dire que un cheval est un animal, pour que ça fonctionne dans les. Et il utilise des EDO, des choses comme ça pour répondre à des trucs. Imagine. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que on va donner des assertions. Hein, un cheval est un mammifère, c'est un vertébré, ce genre de choses. Et après, tu peux très bien retrouver, en fonction de tous les éléments que tu as à l'instant T, quels sont celui qui est le plus proche, voire le retrouver, ou encore, si ça n'existe pas, en rajouter un finalement dans la base de données. Je sais pas si vous connaissez, je sais plus comment il s'appelle ce site web. C'était une espèce de petit devin, tu penses à une personne, il te le retrouve. Ah, ça me dit rien. Mais ce que tu me racontes, Seb, ça me fait penser aux profs de programme. Ouais, je connais pas tous les noms, alors peut-être que c'est la même chose, mais effectivement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, est-ce que vous avez déjà entendu. On dérive un peu, mais c'est pas très grave, ça nous fait de la culture quand même. Est-ce que vous connaissez le théorème des quatre couleurs? C'est un théorème qui dit que si tu veux colorier une carte avec le moins de couleurs possible, il est impossible de la colorier en moins de 4 couleurs. Voilà. Il existera toujours des cartes qui se colorient en 4 couleurs ou plus. Et pour démontrer ce théorème, en fait, ce que les mecs ont fait... c'est qu'ils ont, à l'époque, donc c'était dans les années 95, je ne sais plus, avant 2000, ils ont fait un programme. Et ils ont dit, bah voilà, on a dit à notre programme, fais tous les cas possibles. Et le programme, à la fin, il a tourné pendant je ne sais combien d'heures ou de mois, je ne sais plus. Et à la fin, il a dit, bah c'est bon, j'ai fait tous les cas possibles. Il n'y en a pas pour lesquels on peut faire moins de 4 couleurs. Et quand ils ont présenté leurs preuves, disons, au grand pont des maths, les mecs ont dit « bah non, c'est pas admissible ce genre de preuves, parce que bah, vous l'avez pas fait vous-même, quoi. Vous l'avez donné à une machine, et moi je sais pas ce que les machines font ». Et il y a eu tout un pan de l'histoire où en fait il y a eu une sorte de clivage entre ben, « est-ce qu'on accepte ou pas un ordinateur ?» comme pouvant nous aider à prouver des trucs en mathématiques. Alors clairement, aujourd'hui, on a dit « bah oui, hein ». Et mais un des arguments, ça a été « Ok, mais il va falloir qu'on ait un moyen de prouver qu'un programme fait vraiment ce qu'on veut. » Ouais. Et alors là, moi, je suis clairement pas assez balèze pour vous en dire plus que ça, mais ça me fait penser à ce que tu m'as dit, là. Il y a des sortes d'assertions. On décrit des théories. Ouais, on met en place des théories, on met en place des règles... l'implication, etc., machin, et le programme vérifie que ben, si la première est vraie que la première est vraie, et puis ben, on a le droit, et puis au fur et à mesure, il rajoute des vérités comme ça. Donc, et ça, ouais, ça fait un peu partie de l'intelligence artificielle. Bon, revenons sur notre machine learning. Le machine learning, en fait, l'idée, c'est de créer un algo qui doit répondre à un problème, ok, mais pour répondre à ce problème, il va apprendre d'un ensemble de données pré-traitées qui lui fournissent à la fois les entrées et qui lui disent aussi ce qu'il doit répondre. Et en fonction de ce que lui a répondu par rapport au programme qu'il a pour l'instant et de la réponse qu'on attendait de lui, eh ben, il va adapter son code, donc il va adapter sa manière de calculer sa sortie pour qu'elle colle de plus en plus à la sortie qu'on avait prévue. Donc, en gros, ça ressemble à ça. On a un neurone artificiel, voilà. Et ce neurone artificiel, il prend des entrées. Alors, moi, je vais vous en faire deux pour qu'on simplifie les choses. Et de toute façon, dans mon exemple, il n'y en aura que deux. Mais vous pouvez imaginer qu'il y en aura 25, là, des entrées. Donc, on file à notre neurone un nombre x1 et un nombre x2. Et bah, ce neurone, il doit prendre ce x1, x2, là, il doit en faire un truc, et à la fin, il doit renvoyer une sortie. Et cette sortie, c'est typiquement un truc du genre oui ou non, quoi. 0 ou 1, on va dire. Donc la sortie, ça doit être un truc du genre
Dans le monde parfait, ça devrait être 0 ou 1, et vous allez voir que là, il y a un lien avec les probas, et qu'en fait, il ne va pas nous sortir un nombre entre 0 et 1, mais une proba. Alors, comment il fait ça? Eh bien, en fait, sur ses branches, il va affecter des poids aux entrées. Donc ici, on aura un poids W1, un peu comme s'il faisait une moyenne des entrées qu'il a ici. D'accord. Et le neurone, on pourrait presque le couper en deux, comme ça. Ici, on va mettre la partie... Alors, je veux dire, comme après, j'utiliserai le Y pour la sortie théorique dans le set, je vais pas prendre la lettre Y, je vais prendre la lettre Z, et puis c'est ce que j'ai utilisé dans mon code. Et puis ce Z, alors, en fait, ça va être quoi? Ben, ça va être une moyenne des entrées pondérée par les poids du neurone. Donc typiquement, Z, c'est X1 oméga 1 plus X2 oméga 2. Puis vous imaginez que s'il y avait X3, bah ça ferait plus X3 oméga 3 plus X4 oméga 4, etc. Pour moi, oméga, c'est W. Le oméga minuscule, il se note comme ça en grec. Et j'ai l'habitude d'appeler mes poids oméga. Mais effectivement, c'est un petit W. Alors normalement, c'est un W sans la petite queue, là. C'est ça, oméga minuscule. Et oméga majuscule, c'est ça. Voilà. Bon. Mais on peut dire W, si tu veux. On va dire W. De toute façon, après, quand j'ai fait les... J'ai un gros W comme ça dans mon code. OK. Mais ce Z, maintenant le Z là, ouais, excuse-moi. Parce que du coup, ton Z là, comment est-ce qu'il se retrouve entre 1 et 0 potentiellement suivant le poids ou autre? Il peut avoir n'importe quelle valeur. Et là, ouais. Donc a priori, tu as totalement raison, ce truc là appartient à R. Ok, donc c'est un réel de moins l'infini plus l'infini. Même pire que ça, ce genre de choses-là va nous poser un problème. Alors, si vous vous rappelez un petit peu de vos cours moi, je fais ça en seconde maintenant, mais à l'époque, on faisait peut-être ça en première. Ça, c'est pas loin d'être l'équation cartésienne d'une droite qui passerait par 0. Parce que si vous mettez... Imaginez qu'à l'entrée, vous mettiez 0, 0. D'accord ? Et ben, quand vous allez faire votre calcul, ça va faire 0 fois W1 plus 0 fois W2. Z va valoir 0 tout le temps quand je rentre 0, 0 en entrée. Et peut-être qu'on ne voudrait pas que ça fasse 0. Hein. Si j'ai une droite qui passe par 0, ben, je suis un peu limité. Vous voyez, j'ai que ce genre de droite-là. Moi, je voudrais pouvoir avoir des droites comme ça. Donc, je voudrais qu'en 0, 0, je puisse avoir un... Je veux pouvoir biaiser ma droite. Donc, en fait, ce qu'ils font, les gars... c'est qu'ils rajoutent ce qu'ils appellent un biais. Et en gros, ça revient à entrer 1 en entrée et à lui passer un paramètre B. Vous voyez, donc ça va faire X1 oméga 1 plus X2 oméga 2 plus 1 fois B, donc ça va faire le biais. Donc, plus pourquoi est-ce B. que X1 et juste X1, X2 ne ferait pas justement le B à lui tout seul? Dans le sens où je vois un ensemble X1, W1, puis un deuxième ensemble X2, W2. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas X1, W1, mon A, plus et X2, W2, mon B? Alors, parce que ça, ce sont tes entrées. Ça, ce sont tes entrées. C'est ce que, au final, c'est ce que, après, quand ton neurone est entraîné, c'est ce qu'on va donner à ton neurone à manger et ton neurone devra sortir la bonne chose. Tu sais, un peu comme on a tous vu l'exemple, là, les mecs, ils dessinent un 4 et le neurone, il dit, enfin, le truc de deep learning, il dit, ah bah ouais, c'est un 4 et pas un 9. Mmh. Et ben, tu lui as filé les images, quoi. Et ben, c'est ça. C'est ça tes entrées. Et en fait, faire apprendre à ton neurone, c'est adapter W1, W2 et B. Donc, c'est ces paramètres-là qu'il faudra... Okay. Sur lesquels il faudra jouer. Donc, il faut bien les séparer. Et donc, B, qui là vaut 1, il vaut toujours 1 ou lui-même, il peut être modifié comme les poids, on va dire, de manière... Non, B vaut pas 1. B est un poids. B est un poids, hein. D'accord. Okay. B est un poids.
D'accord. Et c'est le... Oui, ok. Donc en fait, le fait qu'on mette 1 fois B fait que le 1 n'a aucune importance, quoi. C'est juste voilà. Dire que... Voilà. C'est juste, c'est pour avoir mon biais, c'est pour pouvoir me permettre. Sinon, si j'ai pas le biais, en fait, je ne vais pouvoir résoudre que des problèmes qui coupent un espace en deux régions où 0, 0 est forcément sur le point de concours, si tu veux. D'accord. Et donc, ça veut dire que je pourrais pas faire un truc, je suis capable de dire si je suis là ou si je suis là. Et ça, c'est emmerdant. Je vois. Voilà, donc c'est pour ça qu'on rajoute le biais. En gros, pour utiliser des gros mots, c'est le passage de, on va dire, d'une fonction linéaire à une fonction affine. Voilà. Si je devais utiliser des gros mots. Ok. Donc j'ai mon z. Mais comme tu dis, le z, ben il appartient à R. Parce que mes poids peuvent être assez gros, mais mes x1, x2 peuvent être des valeurs vraiment totalement quelconques. Donc a priori, ce truc-là, il est dans R. Du coup, on pourrait dire un truc du genre, ben, on pourrait dire, de toute façon, les poids W1 et W2 vont être adaptés, on pourrait dire un truc du genre, si Z est positif, alors j'active à 1, et si Z est négatif, j'active à 0. C'est-à-dire que j'aurai une sorte d'activation ici, là, je vais avoir une fonction d'activation qui va me renvoyer un résultat qui est théoriquement ou 0 ou 1, et mon activation, ça pourrait être exactement cette fonction-là. Ok ? Ça serait ça, mon activation. A vaudrait 1 si Z est strictement positif, vaudrait 0 si Z est strictement négatif. C'est-à-dire qu'elle ressemblerait à ça, ma fonction d'activation. Hop. Elle ressemblerait à ça. Ici, je mets le Z que j'ai calculé, c'est-à-dire le x1 w1 plus x2 w2 plus b. Donc je fais ce calcul-là, je le mets sur l'axe des x. Et ici, j'aurai mon activation. Ici, il y a 1, ici, il y a 0. Et je dis que quand z est positif, eh ben, mon activation vaut 1. Et quand z est négatif, mon activation vaut 0. Et alors, on pourrait le faire comme ça, mais de ce que j'ai vu, c'est pas ce que les gens font. Ils utilisent quelque chose d'un peu plus moussi et en plus, ça leur permet d'introduire une notion de probabilité. Parce que là, le truc, c'est que si on fait ça, on a 0 ou 1 et pas d'intervalle, c'est ça ? C'est ça, voilà. C'est-à-dire, ton activation, ça sera instant. Tu fais ton calcul de Z et tu dis, je calcule Z. Bah, quand Z est positif, je dis que j'active mon neurone. Et quand Z est négatif, je dis que j'active pas mon neurone. Ouais, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est... Il n'y a pas d'intermédiaire, si vraiment vrai, c'est vrai ou faux, c'est pas... Il n'y a pas, pas 0,5, voilà. Et alors, ça pourrait marcher, mais de ce que j'ai compris, les mecs ont testé comme ça au début, et ils se sont rendus compte que, quand ils affinaient le truc et qu'ils rendaient ça un peu plus smoothie, ça marchait un peu mieux. Alors, ils utilisent une fonction qui s'appelle la fonction logistique, et que je vais vous montrer tout de suite, ça ressemble à ça, une fonction logistique. J'ai compris donc... du coup à quoi elle sert. Et donc, voilà l'équation d'une fonction logistique. Elle est de la forme 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Et alors, voilà à quoi elle ressemble. Elle est à valeur entre 0 et 1. Hein, le max, c'est 1 et le min, c'est 0. Et en 0, elle vaut 0,5. Donc, vous voyez qu'elle fait un peu comme dans les négatifs, je vaut 0 et dans les positifs, je vaut 1. Sauf qu'il y a ce côté smoothie entre les deux là. Et donc, en fait, on transforme notre fonction comme ça en une fonction logistique qui fait un truc du genre. Hop, ici je croise à 0,5. Voilà. Donc je ne vais plus faire ça. À partir du z, je vais calculer a de z au final, hein, qui va être égal à donc 1 sur 1 plus exponentielle de moins z, le z étant la valeur qu'on pourrait dire d'agrégation de toutes mes entrées. Et c'est ce A qui appartient à 0,1 qu'on peut considérer comme une proba. Et en gros, on pourrait dire un truc comme ça. Donc imaginez que j'ai un Z qui est ici. Hein, je vous rappelle que j'ai Z sur l'axe des abscisses et j'ai l'activation sur l'axe des ordonnées. Si j'ai un Z qui est ici et que je regarde mon activation et que par exemple je trouve 0,8, eh ben, je peux commencer à dire un truc du genre, il y a 80% de chance que mon neurone doive s'activer quand j'ai eu les entrées X1 et X2 au départ.
C'est-à-dire quoi, ça, 80% de chance qu'il va s'activer? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que le neurone a confiance. Le neurone va répondre 1, en gros. Le neurone va dire oui, j'active mon... Je... Imagine, je sais pas, on est en train de dire est-ce qu'on est à gauche ou à droite, ou est-ce qu'on est des chats et des chiens? Tu vois, un truc très... Alors, je sais pas si on pourrait décomposer chat et chien de manière linéaire, mais... Je vais le dire autrement. Donc, imaginons qu'on doive séparer le plan en deux parties. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. D'accord? On va séparer le plan en deux parties. Et la question, c'est de dire, je te donne les coordonnées d'un point. Est-ce que tu es capable de me dire, petit neurone, de quel côté du plan on est? Eh bien, le neurone, il va dire, non seulement il va dire, je suis du côté A ou du côté B, mais en plus, il va te donner une proba qui est, selon lui, la probabilité de chance qu'il ait d'avoir raison. Ouais, je vois ce que je vois, ok. D'accord? Et plus ton Z, en gros, plus ton Z sera méga positif, plus ton activation sera proche de 1, et plus le neurone dira, ouais, moi j'ai raison, je sais que je suis... Il y a quasiment peu de chances que je me trompe en disant ça. Inversement, si maintenant ton Z, il est là, dans les négatifs, et que quand tu l'actives ici, tu tombes autour de, par exemple, 0,1, eh ben là, il va dire, ben non, j'active pas, je suis de l'autre côté du plan. Mais alors, la proba qu'il va donner, c'est pas 0,1, c'est 0,9. Hein? Le 1 moins... machin. Et puis, si, par exemple, quand il tombe sur un Z qui vaut 0, ben là, il est un peu dans la merde. Parce que s'il tombe sur Z qui vaut 0, eh ben, il tombe sur une activation à 0,5... Et en gros, il est dans le flou total, quoi. Il est dans l'incertitude. Mais c'est normal, parce qu'en fait, techniquement, ça voudrait dire que c'est un point qui est pile-poil sur la frontière. Et nous aussi, on serait un peu emmerdés. Et à la louche, on est tous tombés sur des cas comme ça, hein. Des fois, moi, je dis à mes élèves, je vous sais, je prends un point un peu délicat pour leur faire comprendre que la géométrie, ça se fait par le calcul et non pas par des dessins. Parce que tu fais un point et puis tu le fais quasiment sur la droite, tu leur dis alors, il est sur la droite ou il n'est pas sur la droite? Bah, y en a qui disent, bah si, monsieur, il touche la droite, etc. Je dis, mais non, vous voyez bien qu'on ne peut pas décider comme ça. On fait les calculs et c'est les calculs qui nous diront, oui, il est sur la droite ou non, il n'est pas sur la droite. Bah, si on est à 0,5, on est dans ce cas-là où on est vraiment emmerdé pour dire de quel côté du plan on est. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, eh ben, c'est bien beau, mais les poids W1 et W2 et B, ben, au début, on les met au hasard. J'ai même plus envie de vous dire, on les fout à zéro, on met des valeurs qu'on veut, et donc il va nous donner des résultats totalement pourris. Donc en fait, ce qu'il faut maintenant, c'est que quand on a notre activation là, quand on a ce nombre-là, il faut qu'on regarde dans le set d'entraînement, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble un set d'entraînement. Alors, il faut que je le retrouve. Ouais, qu'il puisse, entre guillemets, bouger et les poids, de façon à ce que sur tous les sets d'entraînement, il arrive au même résultat que le résultat normalement à l'entraînement, quoi. Donc là, par exemple, hop. Oh merde, j'ai plus les valeurs, mais on pourrait le faire nous-mêmes. Hein. J'ai peut-être là. Non, même pas. Bon. Donc là, j'ai mis des valeurs au hasard entre 0 et 20. J'ai fait des randoms. Il doit y avoir quelque chose comme 300 valeurs. Voilà, 299, puisque la première ligne compte pas. Et ici, on peut mettre un test. Je sais pas, je vais en inventer un avec vous. Hein. Donc on fait égal si. Alors la condition, je sais pas, moi. Lui. Par exemple, si lui plus lui égale 15. Non, alors pas égal, plus grand. Donc si c'est plus grand que 15, ben, je vais dire que ça vaut 1. Et sinon, je vais dire que ça vaut 0. Donc je veux séparer mon plan en deux demi-plans. Le demi-plan des points qui vérifie que leur somme est plus grande que 15 et le demi-plan des points qui vérifie que leur somme est plus petite que 15. Donc là, il me dit, ben oui, la somme est bien plus grande que 15. Donc, il me répond 1. Et je peux appliquer ça à tout le monde. Et voilà, c'est fait.
Donc ça, c'est mes entrées, c'est mes X1 et X2 que je vais passer en entrée ici. Et ça, c'est le Y théorique que mon neurone devrait sortir. C'est-à-dire que je voudrais que, quand je lui passe 14 et 9, je voudrais qu'il me renvoie 1. Sauf que, moi, si par exemple, si je prends 14 et 9, imaginez que j'ai pris des poids W1, j'ai mis des poids 1 partout, si j'ai W, alors je vais faire comme ça, grand X, je vais faire un vecteur 14, 9, puis je vais faire un vecteur W, alors ce sera des matrices, mais passons, et ici je vais mettre les points 1, 1 et 1. Je vais mettre le B dans le vecteur W. Ok ? Ok. Et donc je fais mon calcul. Donc ici j'ai 14, 9 et donc 1 qui est mon biais. Ça c'est mon biais. Et donc je vais avoir quoi comme Z ? Je vais avoir 14. Ah mais c'est trop bien les poids que j'ai mis là. Parce que c'est justement les bons. Merde. non, c'est pas les bons parce qu'il faudrait qu'il le compare à 25. Donc c'est pas les bons. Ok ? Donc 14 plus 9 plus 1. Oui, d'accord. Ok ? Donc ça va nous faire du 24. Et 24, c'est ça c'est mon Z. Après, pour avoir A, je vais faire 1 sur 1 plus exponentielle de moins 24. Alors ça, j'ai aucune idée de combien ça fait, mais au pire, on va ici, on se met à 24, et vous voyez que il nous sort 1, hein, quasiment 1. Donc là, le neurone répondrait parfaitement. Ouais, mais c'est peut-être du hasard, parce qu'on a que des poids 1, et si on prend un autre jeu... Mais maintenant, imagine, je commence avec des poids en 0. Je mets que des poids à 0. Non, là, c'est 0 plus 0 plus 0, du coup. Bon, allez, je mets 0, 0, 1. Donc, il va faire 0 fois 14 plus 0 fois 9 plus 1, il va sortir 1. Si je fais mon 1 plus exponentielle de moins 1, hop... Il va me sortir quand même, 1, c'est pas mal. Il me sort déjà 0,75%. Donc il me sort une activation à 0,75, c'est-à-dire 75%. Donc il va valider le truc en disant ouais, moi je pense que 75%, c'est pas trop mal. Et l'idée c'est qu'il fasse ça avec tous les poids. Et donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est comparer le A à nos Y. Il faut comparer A et Y. D'accord ? Alors A, on peut l'imaginer, grand A, hein, on peut l'imaginer comme un grand vecteur avec toutes les activations par rapport à toutes les entrées. Donc il y aurait A1 qui serait celui qu'on vient de calculer, mais après on prendrait la deuxième ligne, on aurait A2, A3, A4, etc. jusqu'à A300. Et il faut comparer ça à Y, qui vaut des 0 et des 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, comme ça. Il faut comparer ces deux trucs-là. Alors, c'est là qu'on arrive en probabilité et qu'on va calculer ce qu'on appelle la vraisemblance. Qu'est-ce que c'est que la vraisemblance d'un modèle ? On fait beaucoup de maths, les gars, mais après, une fois qu'on a compris, le code, il va un peu tout seul. Vraisemblance d'un modèle. L'idée, c'est... vous avez un modèle théorique. Typiquement, vous avez une loi de probabilité. Alors, c'est quoi une loi de probabilité ? Eh bien, c'est un truc qui... comment je pourrais dire ça simplement pour des gens qui n'ont jamais fait de proba ? Putain, c'est dur. Vous avez une fonction... Vous savez pas ce que c'est qu'une variable aléatoire ? Qui c'est que c'est une variable aléatoire ? Random. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça en fait. Le problème, c'est que random, c'est justement une variable aléatoire qui suit tout le temps la loi uniforme. Mais des lois, elles peuvent prendre plein de gueules en fait. Ton random là, en fait, il suit une loi qui ressemble à ça. Quand tu fais un love.mat.random là, tu tombes sur un nombre entre 0 et 1, et la probabilité d'obtenir un nombre, elle est constante partout. Ce qui fait que l'aire de ça, c'est 1.
Ça, c'est la loi uniforme. Et on comprend bien pourquoi elle est uniforme, parce que ben, la probabilité de tomber, par exemple, entre 0,2 et 0,3, donc c'est l'air qui est là, et c'est bien la même que la probabilité de tomber entre 0,7 et 0,8, par exemple, qui est la même air. Mais maintenant, il y a plein d'autres lois non uniformes. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi normale. La loi normale, elle ressemble à un truc comme ça. Donc, elle fait une sorte de cloche. Voilà, comme ça. Et on voit que ben, l'air qui est dessous, c'est toujours 1. Donc là, il y a une aire de 1. Mais on voit bien que la probabilité de tomber entre A et B ici, ben, même pour le même écart ici, C et D, la probabilité ici est beaucoup plus grande. Typiquement, si vous choisissez un mec au hasard dans la rue et que vous le mesurez, il y a beaucoup de chances qu'il ait une mesure, on va dire, moyenne. Si ça, c'est en gros la moyenne des tailles des gens, en gros, je sais pas, on va dire 1m80. D'accord ? Donc il y a beaucoup de chances que vous soyez entre 1m70 et 1m90 que tomber sur un gars qui fait 1m20. C'est ça que ça dit la loi normale. Il y a très peu de cas particuliers, il y a beaucoup de gars dans la moyenne. Mais des lois, on peut en fabriquer plein comme ça. Donc il y a la loi binomiale, il y a la loi géométrique, il y a la loi hyper géométrique. Et elles ont toutes un paradigme. Il y a la loi de Poisson, il y en a plein d'autres. Elles ont toutes un paradigme, c'est-à-dire elles servent toutes à modéliser un certain type de situation. Par exemple, la loi binomiale, vous prenez 2D et vous les lancez. Que je dise pas de bêtises. C'est le 7 qui a le plus de chances de revenir. Et le 7 a le plus de chances de revenir parce que, en gros. Pourquoi c'est le 7 ? Il n'y a pas que le 7 ? Bah si, je crois que c'est le 7 parce que quand tu fais des. Il y a plus de combinaisons qui donnent 7 en gros, c'est exactement, ça ? Exactement. Voilà, comme le fait qu'avec un seul dé, tu peux faire entre 1 et 6, mais avec 2 dés, c'est impossible de faire 1 par exemple. Voilà, c'est impossible de faire 1, et 2, tu vas galérer de la même manière que tu vas galérer pour faire 12. Par contre, tu feras plus souvent 6, 7, 8. Parce qu'il y a plus de combinaisons voilà. qui donnent le 6, le 7, enfin surtout le 7. Et donc là, on se retrouve, voilà, on arrive à penser à des phénomènes dans lesquels on voit bien que la loi n'est pas uniforme. Et donc, comment on fait pour savoir si un modèle colle à une situation ? C'est-à-dire que vous avez un set de probabilités qui sont tombées, vous avez fait des expériences, je sais pas, vous êtes allé dans la rue, et puis toutes les 30 secondes, vous avez ouvert les yeux, vous avez compté le nombre de gens que vous voyez devant vous. J'ai compté 20 personnes, puis j'ai compté 10, puis j'ai compté 5, voilà. Ou alors, vous allez à un stop devant une rue, là, et puis vous regardez, vous mettez à un endroit, et puis vous regardez l'intervalle de temps entre deux voitures. Alors, vous avez une voiture, puis vous comptez combien de secondes ou minutes ou heures passent entre l'arrivée de deux voitures. Vous allez avoir plein de valeurs comme ça. Et puis, la question, c'est est-ce que vous auriez un modèle qui collerait avec ces résultats, quoi. Avec ces résultats. Et c'est là qu'on calcule la vraisemblance. Alors, la vraisemblance, c'est un truc comme ça. C'est de se dire, j'ai une certaine variable aléatoire grand X, et puis... qui suit un certain modèle que je possède, dont je connais soi-disant les probabilités. Et puis je me suis rendu compte qu'à la première expérience que j'ai fait, j'ai obtenu un certain x1. Du coup, je prends ma loi théorique et je calcule la probabilité théorique que x vaille x1. Et je possède cette formule parce que j'ai un modèle théorique. Mais je l'applique au x1 que j'ai obtenu. Bon. Et puis, je fais ça pour x2 aussi. D'accord ? Donc imaginons quand je fais mes calculs ici, je tombe sur 0,4 et qu'ici, je tombe sur 0,6. Eh bien, quelle était la probabilité pour que au premier coup, j'ai eu 0,4 et au deuxième coup, j'ai eu 0,6, mais en fait, le produit des deux. Donc, 24%. Et alors, après, si vous avez 10, 15, 20, 100 lancés, vous pouvez faire comme ça, le produit des P de X égale XI, pourri allant de 1 à toutes vos expériences. Et c'est ça qu'on appelle la vraisemblance. Je vais l'appeler likelihood LL. Parce que c'est comme ça qu'il la note. C'est même juste un L, parce que la LL, c'est encore autre chose, et je vous en parlerai juste maintenant. La likelihood.
Donc la Lightning Wood, c'est la probabilité que le set de valeurs que vous avez obtenu quand vous avez fait vos expériences colle avec votre loi. D'accord ? Donc la probabilité que, suivant ma toi, en gros, techniquement, si vous avez bien fait les choses, c'est-à-dire que si vous avez bien pensé votre modèle théorique, vous aurez très peu de valeurs faibles, vous aurez beaucoup de grosses valeurs, parce que ben, la probabilité que des valeurs sortent, ben, elles vont être plus élevées si le modèle colle bien avec. Et si votre modèle colle pas, ben, vous aurez des faibles valeurs ici. Donc ici, si vous avez un nombre plutôt faible, eh ben, vous allez dire que votre vraisemblance est faible, donc que vraisemblablement, votre modèle ne colle pas avec les expériences faites pour de vrai. Et si vous avez un nombre élevé, eh ben, vous allez dire ben, que votre vraisemblance est élevée, donc que vraisemblablement, votre modèle colle avec les expériences que vous avez faites. Donc là, juste pour pas se perdre, quand tu dis que notre modèle colle à ce qu'on a observé, c'est-à-dire que le modèle, ce serait une valeur d'entraînement, et l'observation, ce serait ce qu'a sorti le neurone, c'est ça ? Non ! J'ai pas encore expliqué exactement, mais le modèle, ça serait en gros ça. Ouais, rappelle-nous, le Y et le A, c'était quoi déjà ? Alors le A, c'est les activations qu'on a eues. Le A, c'est les activations qu'on a eues. Quand ah oui, on a calculé... C'est le résultat après la fameuse fonction là, que tu as tracée en jaune. Alors, okay. Tu prends les entrées. Première étape, tu les agrèges par une petite formule qui est là, ouais, tout bien. Une sorte de moyenne. Deuxième étape, tu prends l'agrégation, tu la passes dans la fonction logistique pour obtenir une proba. Ouais. Et ça, c'est le A. Et c'est cette proba-là. Et donc ça, c'est ton test, c'est ta vraie expérience, c'est ton test physique. Ok. D'accord. Et ta loi théorique, c'est le Y. Et le Y, c'est quoi ? Tu le trouves où alors ? Tu le trouves dans ton fichier ? Le Y, dans ton fichier de test. C'est-à-dire, c'est toi qui le donne en entraînement à ton modèle. Voilà, c'est le modèle d'entraînement. Okay. Au gros début, toi, tu sais c'est quoi un chat et un chien. Donc tu vas lui faire une liste de chats et tu vas lui dire ça, c'est des chats. Et tu vas lui faire une liste de chiens et tu vas lui dire ça, c'est des chiens. Et maintenant, tu vas lui dire entraîne-toi parce que t'as la gueule des chats, t'as la gueule des chiens et tu sais que c'est des chats et des chiens. Mm-hmm. Donc fais bouger tes petits coefficients. Dis-moi si tu penses que c'est un chat et un chien et après compare avec la réponse que je t'ai donnée. Donc nous, notre modèle théorique, ça sera le Y. Mm-hmm. Et notre modèle et nos expériences, c'est les A. Et donc on va calculer une sorte de vraisemblance qui va ressembler à ce que je vous raconte là, même si on ne verra pas les probas exactement écrites comme ça. Mais on va calculer une sorte de vraisemblance. Mais pour finir sur la vraisemblance, elle a un gros problème, cette vraisemblance, et encore plus en informatique. C'est que qu'est-ce qui se passe, d'après vous, quand vous faites des produits sur beaucoup, beaucoup de données? Là, on en a 300, mais c'est que dalle par rapport à ce que les mecs font. Ils font sur 10 000, 20 000, 100 000, des millions d'entrées. Qu'est-ce qui se passe, d'après vous, quand vous faites des produits compris entre 0 et 1? Regardez, rien qu'à 2, là, on a 0,4 fois 0,6 et on tombe à 0,24. Si tu fais des produits entre 0 et 1, deux valeurs qui sont proches de 0 donneront très proches de 0, les autres sont... Et en gros, ce nombre-là, voilà, c'est exactement là, c'est que ce nombre-là, il va aller très très vite, quand n est assez grand, il va très vite valoir 0. Et vous savez bien que sur les ordinateurs, on va être limité en nombre de décimales après la virgule. Et donc, au bout d'un moment, bah, t'as Likelihood, même si t'as que des 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9 partout, où tu devrais conclure que ben, ton modèle est génial. Ouais. Le problème, c'est que 0,9 puissance 300, on peut faire un test. Hein, ouais, il va te dire c'est 0, quoi. 0,9 puissance 300, je dois avoir une calculatrice de la main, je vais le taper. 0,9 puissance, même 100, à mon avis, hein. 0,9 puissance 100, hein, il aime pas. Ouais, on a déjà 5 zéros après la virgule. Le problème, c'est qu'en mathématiques, il n'y a pas de notion d'ordre de grandeur, alors que dans l'informatique, si, forcément. Alors que dans l'informatique, si. Et donc, on a un gros problème, c'est cette histoire de zéro où nous, bah, rapidement, le truc va valoir zéro. Donc, ce que les mecs font pour sauver ça, c'est qu'au lieu de calculer la vraisemblance, ils calculent le log de la vraisemblance. Donc, au lieu de faire... Donc, je vais remettre ma likelihood ici. C'est le produit des P de X égale XI. C'était là ma parenthèse. Et donc, je vais calculer ln de mon log
ce qui va donner le log des produits des P2X et Galaxy. Et alors là, il faut se rappeler de la super propriété des logs, c'est que ça a même été inventé pour ça, c'est que le log d'une multiplication, c'est la somme des logs. Ln de A fois B, c'est ln de A. Ln de A plus ln de B. Plus ln de B. Du coup, ça va se transformer en une somme des logs des probas. D'accord ? Alors, la fonction log, elle ressemble à ça. Hop, je vais vous dessiner la fonction log. Elle est comme ça. Et ici, on est à 1. D'accord ? Donc ici, on est donc entre 0 et 1. Et vous voyez qu'entre 0 et 1, mon log est négatif. OK ? Mais ce qui est cool, et c'est ce qui nous arrange dans l'histoire, hein, c'est que vous voyez que quand quand notre proba ici, hein, donc là ici on aura une certaine proba, vous voyez que quand elle est proche de 0, ben, en fait le log il est très grand dans les négatifs. Donc on n'aura plus du tout ce problème de est-ce que ça va valoir 0 ou pas. D'accord ? Ça c'est cool. Premier truc, ça c'est cool. Autre chose, en maths, on a plus de facilité, disons, on a plus d'algorithmes de minimiser. En fait, je vais le dire après. Donc, on va gérer ce log-là. Et donc, en fait, ce qu'on écrit, nous, pour obtenir exactement, pour vous faire le lien maintenant avec le sujet qui nous importe ici, et que notre log, ben, il va ressembler à ça. Alors, il va ressembler à ça. Notre L, en fait, ça va être ça. Ça va être le produit des... Et alors là, il faut comprendre ce qu'on écrit. En gros, des... Je vais l'écrire comme ça pour l'instant, et vous allez voir la formule après. Des AI, si YI égale 1, ou 1 moins AI si YI égale 0. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait dit. On avait dit, quand on était là, on avait dit, quand on sera de ce côté-là et que Y vaudra 1, et ben, la proba qu'on donnera, ce sera le 0,8, c'est-à-dire l'activation qu'on aura trouvée. D'accord ? Et sinon, la proba qu'on donnera, c'est 1 moins l'autre. Donc, si la sortie, ça doit être 1, eh ben, on donnera comme proba le A qui sort, parce qu'on aurait aimé qu'il soit de ce côté-là. Et si la sortie, ça doit être 0, on donnera la proba 1 moins. Donc, on a exactement ce truc-là. C'est ça, notre loi. Mais alors, ça s'écrit d'une manière très jolie. Ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit AI puissance YI fois 1 moins AI puissance 1 moins YI. Et regardez si YI vaut 1. Donc si notre véritable sortie est 1, bah ça vaut 1. Donc ça fait AI puissance 1, ça fait AI. Mais ça va valoir 0 et un nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc ça fait bien AI fois 1, ça fait AI. Et maintenant si YI vaut 0, ça fera 1. YI fera 0 et ça fera bien 1 moins AI. Je sais pas si j'ai été clair là. Si, ça permet du coup de clamper les valeurs. Et on n'aura pas de besoin de coder des si ou des choses comme ça, on écrira juste cette formule-là. Ouais. Maintenant, on passe au log de ça. Donc nous, on va prendre le log de ce truc aussi pourri que ça. Donc, on va se retrouver avec du... J'essaie de reprendre du blanc. Donc on fait ln de L. Donc ça va faire la log des produits, donc la somme des ln de ces trucs-là. AI puissance YI... 1 moins AI puissance 1 moins YI. Et alors, de même que si le log transforme les produits en somme, le log transforme les puissances en produits. C'est une conséquence, en fait. Hein, parce que si vous mettez A carré, là, si vous mettez ln de A carré, ça fait ln de A fois A. Oui, forcément. Et ça fait bien ln de A plus ln de A qui fait 2 ln de A. Et après, par récurrence, on obtient la formule générale qui est que ln de A puissance K, c'est K fois ln de A. Donc du coup, là, le produit qui est là, on va pouvoir le couper et en faire une somme.
Donc au final, ça va donner cette formule-là. Ça va donner la somme des yi ln de ai plus 1 moins yi ln de 1 moins ai. Ok ? Alors si je peux me permettre, il y a quand même un truc, ouais. C'est que tu n'avais pas expliqué pourquoi on fait tout ça. Là, parce que... Non, ben c'est, en fait, pourquoi on fait tout ça ? Parce qu'il faut que tu arrives à... Et j'allais venir, en fait, j'allais dire, elle va servir à quoi ? Il faut que tu arrives à quantifier l'erreur qu'il y a entre ce que tu aurais dû obtenir théoriquement et ce que tu obtiens vraiment. Ouais, la différence entre le poids, les poids idéaux, on va la dire, et puis... La différence entre les AI et les Y qui ouais. Si tu veux. D'accord ? Eh bien, ce log de L, là, en gros, c'est une sorte de fonction coût, si tu veux. C'est une sorte de fonction coût. Et le but, c'est que L vaille 0. Alors, on va la ranger un petit peu, parce que là, elle pourrait partir en sucette. Ce qu'on peut faire, déjà, c'est qu'on peut déjà en calculer une moyenne. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi ils le font, mais je pense que c'est pour pas avoir des valeurs qui explosent trop. Donc, en gros, ils divisent... Il divise par le nombre de valeurs. Nous, on en avait 300. Hein. Je sais pas, je vais le noter petit m ou grand n. Grand n, c'est le nombre de valeurs qu'il y a dans notre set d'entraînement. Le nombre de lignes. Mm-hmm. C'est le nombre de petits i qu'il y a. Ici, je vais de i allant de 1 à grand n, justement. Alors, il y a autre chose, c'est que je vous ai dit que les logs étaient négatifs. D'accord ? Ouais. Pour rendre tout ça positif et pour avoir une sorte de notion de coût, justement, ils mettent un moins pour rendre le tout positif. Parce que je vous rappelle que E, là, ln de AI, ça, c'est un nombre négatif. Ça, c'est un nombre négatif. Ça, c'est positif. Et ça, c'est positif. Du coup, tout ça, c'est négatif. Donc, en mettant un moins, je rends le tout positif. Donc, mon log est positif. Et l'idée, c'est que je voudrais qu'il vaille 0. Quand on a trouvé, c'est-à-dire quand on a trouvé, quand on est à zéro, c'est qu'on a les bons poids, du coup. Ouais, c'est parce ça. Que nos modèles théoriques collent avec les modèles pratiques. Bah parce que quand t'as zéro, ça voudrait dire que ton produit vaut 1. Regarde, pourquoi Ouais, c'est ça. Donc c'est qu'on a les bons poids. Imagine que les AI valent exactement 1. Voilà, imaginons que tout soit parfait dans un monde parfait. C'est que les AI valent 1 quand YI vaut 1 et que AI vaut 0 quand YI vaut 0. Donc, quand y vaut 1 à i vaut 1, donc tu aurais 1 ici, t'es d'accord ? Ouais. Et ça ferait 1 fois 1, ça ferait 1. Maintenant, si y vaut 0, ça va faire 1. Ça va faire 1. Le ai va valoir 0 en même temps que le yi, ça va faire 1, ça va faire 1. Donc, en fait, tu vas faire que des produits de 1. Ok, nickel. Et si tu regardes notre fonction, la fonction log, là, ici, log de 1, ça fait 0. Donc, on a une fonction qui est strictement positive. Et qui, quand elle vaut 0, est parfaite. Ouais, donc du coup, ça te permet véritablement de mesurer la déviance entre le modèle qu'on recherche et puis le modèle qu'on applique. Exactement. La fonction log de ton log de vraisemblance est un étalon, est une mesure de l'écart qu'il y a entre ce que tu devrais avoir théoriquement donné par ton set d'entraînement et ce que tu as que ton modèle te donne. Okay. Et si tu veux maintenant le minimiser, oui. Donc il faut bouger les poids. Et voilà. Bouger les poids de sorte à minimiser ta fonction log. Maintenant, comment minimiser les poids ? Parce qu'on peut très bien faire des randoms et puis vérifier petit à petit qu'est-ce qui se rapproche, mais c'est peut-être pas la c'est peut-être pas le. Alors, si je reviens au début, application linéaire, on en a parlé. Calcul matriciel, je vous dis que c'était juste pour. Simplifier les calculs que je vous ai expliqués, proba et vraisemblance on a fait, fonction logistique on a fait. Le seul truc dont on n'a pas parlé, c'est calcul différentiel. Calcul différentiel. Et le calcul différentiel, c'est l'art... Enfin, non, le calcul différentiel, c'est bien plus que ça. Mais en tout cas, le calcul différentiel, c'est... dans ce chapitre, qu'on apprend toute la théorie de l'optimisation, c'est-à-dire justement être capable de trouver le minimum d'une fonction coût, le maximum d'une fonction bénéfice ou des choses comme ça. Et typiquement, la méthode que eux utilisent ici dans le
dans le truc, c'est que ils ont une fonction. Alors ils savent, ils ont géré le truc, ils savent que notre fonction coup là, elle est plus ou moins convexe, elle est comme ça, c'est une sorte de grosse cuve. D'accord? A priori, elle vaut sûrement 0 d'ailleurs quelque part, donc on pourrait peut-être faire mieux que ça. Quoique, peut-être pas, hein. Peut-être qu'on n'a jamais un modèle parfait, on peut pas atteindre 0, on peut juste se rapprocher. Hein. Bah, on s'en fout. Alors ils ont, ici, imaginons qu'on ramène nos W. Alors, c'est sûr que là, et ici, on va mettre notre ln de grand L. OK ? Alors, je vous fais un truc en juste en 2D, mais il faut imaginer que ce W, en fait, c'est un truc vachement plus compliqué. C'est une sorte de vecteur, comme ça. W1, W2, puis après, il y a le petit B, là, qui traîne, hein, à la fin. Pourquoi est-ce que... C'est vachement plus compliqué que juste une fonction dont on a l'habitude. Et je vous dessine juste une courbe comme ça, mais il faut l'imaginer... en plein de dimensions et en fait on n'est pas capable mais c'est quand même en gros c'est quand même ça l'idée et c'est ça qui va se passer. Ceci dit pour un ensemble de poids entre W1, W2 et puis B etc, c'est certain on va avoir au final un seul A, c'est ça, c'est le A qu'on avait pris en valeur de sortie. Oui, c'est un seul. Non, mais en tout cas, depuis le début, regarde, si je reprends depuis le début, j'ai mon set d'entrée que je peux appeler grand X. D'accord? Ce grand X, je le passe dans ma moulinette, j'obtiens un grand Z. Le grand Z, je le passe dans ma fonction d'optimisation, j'obtiens un grand A. Et ce grand A, je le passe dans ma fonction log de likelihood, etc. Et j'obtiens un coup. Et pour l'instant, j'ai un putain de coup et je sais pas quoi en faire. Bon. Ah ouais. Et l'idée, c'est dire, à partir de ce coup, il faut que j'arrive à modifier mes paramètres de sorte que j'espère que quand je vais recalculer avec mon set mon prochain coup, je vais faire baisser ma vraisemblance et mon coup. Donc, redescends le graphe. Donc là, le graphe, on a donc le coup. Donc imaginons que nous, imaginons qu'on est là pour l'instant. Donc, c'est notre W, c'est notre set à nous. Ouais, on est là. Que pour ce set de W, ouais. Du coup, on calcule notre coût et on se retrouve ici. Ok, donc il faut trouver le set de W qui nous permet de nous amener quasiment. Ce qu'on calcule, c'est la chose suivante. Donc, et puis, elle fait sûrement comme ça. Sûrement. Et elle est convexe, c'est-à-dire qu'elle fait cette vague-là. Par exemple, la théorie que je vais vous expliquer, elle ne marche pas. Si votre fonction était concave, alors là, c'est clair que ça marche pas. Et si elle fait des bosses comme ça, t'es pas sûr de pouvoir trouver le minimum. Parce que nous, ce qu'on veut trouver, c'est ça. Quand ton modèle aura trouvé ce W min ici, là, là, ton modèle s'est entraîné. Et il sera top. C'est-à-dire, c'est les coefficients de ton neurone qui font que ta log de vraisemblance est minimale. Et donc, tu colles le mieux avec ce que le mec t'a filé comme set. Mais c'est vraiment possible d'avoir également une courbe, comme tu disais, quand tu nous as dessiné sur la droite, avec des blagues, etc. On a la chance, c'est que le log de vraisemblance, il a cette gueule-là. D'accord, ok, donc tant mieux. On est bien. On n'est pas dans ce cas-là, donc c'est cool, on peut y aller. Ok ? Alors, c'est là qu'on arrive dans le calcul différentiel. On calcule les dérivées de log de L par rapport à notre W. Donc, en gros... C'est-à-dire que j'arrive à obtenir une sorte de petit vecteur pente comme ça, là. Lui, c'est d rond L sur d rond W. Et alors, là, je vais vous passer les calculs, parce que là, ça pique vraiment. Mais s'il y a des gens que ça intéresse et qui ont fait du calcul différentiel, parce que sinon, c'est juste pas possible, hein, je vous dis, c'est des mois de boulot, voire des années de boulot avant de pouvoir comprendre ce qu'ils racontent. Mais en gros, si on fait le calcul, on obtient un truc comme ça. On obtient que d rond L sur d rond un certain WK, là. Donc, je dérive par rapport à... Puisque ce que je veux, c'est modifier ces gens-là. Et il faut que je sache comment les modifier. Et c'est lui qui va me donner, qui va me dire comment le modifier. Et bien, on obtient cette formule-là. Donc, on obtient 1 sur grand N, la somme pour i allant de 1 à N, des... Alors, le AI, c'est mon activation... à la ième ligne, moins le YI, c'est-à-dire le truc qui vaut ou 1 ou 0 à la ième ligne, fois l'entrée
l'entrée pour le poids K, mais à la IM ligne. Okay. Dans la fonction somme, là déjà, entre I1 qui va jusqu'à N, N c'est le nombre de poids et le bien inclus, c'est ça? Alors, ça, c'est le nombre d'entrées. C'est-à-dire, c'est mes 300 entrées, c'est si ça. Tu veux. C'est tes 300 entrées, tes 300 jeux de données, on va dire, du modèle d'entraînement. Mes 300 jeux de données, voilà. D'accord. C'est mes 300 jeux de données. Nombre de données, si tu veux. Ok. Et mes données, elles arrivent par paquet de 2, puisque j'ai un X1 et un X2. Mais elles pourraient pas arriver par paquet de 12. Par exemple, oui, si c'est tu veux faire une IA, tu veux faire une IA qui joue je sais pas quel jeu, un Pong, et ben sûrement qu'il te faudra le X de la balle, le Y de la balle, le X de la raquette, le Y de la raquette, le vecteur vitesse de la balle, les éventuels objets qui tombent, machin, etc. Et la question, c'est tu vas à droite ou tu vas à gauche? Ouais, donc oui, t'aurais juste deux neurones de sortie, mais t'en aurais potentiellement beaucoup plus. On avait qu'un seul neurone de sortie, je pense que je vais essayer de le faire avec un seul neurone, c'était mon prochain défi. C'est faire une IA qui joue au Pong avec un seul neurone. Et, ouais. Et juste, 1, ça sera aller à gauche, et 0, ça sera aller à droite. Ok, mais avec potentiellement donc un certain nombre d'entrées. Par contre, les entrées, j'en aurais plus que deux. J'aurais tout ce que je t'ai listé. La position du pad, la position de la balle. Donc là, toute la question, donc là, du coup, bon, ok, t'as la fonction, donc on va dire générale. Comment tu fais pour ressortir, du coup, une valeur pour chaque W? Alors, l'algorithme qu'on applique, c'est un algorithme qui s'appelle la descente de gradient. Et un gradient, c'est un gros mot pour dire la petite flèche qu'on a écrite là. Ok? Donc, le gradient, si tu veux, c'est... Quand tu as un gradient, c'est ça. Quand tu as une surface courbe, bon, comme tu es loin, tu vois qu'elle est courbe. Mais si on zoome très fort, si par exemple je prends juste ce petit bout-là, ouais, et que je le zoome, que je le zoome comme ça. Oh, zut, je fais conneries. Il est beau ton canvas là. Ouais. Et que je le zoome comme ça. D'accord. Qu'est-ce que je vais voir? Ben, en fait, je vais voir... Oh, quasiment une droite, on est d'accord. Cette pente-là. Eh bien, cette pente-là, c'est le gradient en un point, le centre de mon truc-là. D'accord. Okay. Et donc, ce que je veux faire, c'est de la descente de gradient. Donc, je vais aller de gradient, mais dans l'autre sens. En gros, donc, là, je suis à W. Et en gros, l'idée, c'est quand j'avance de... Une unité, alors c'est bizarre de dire une unité parce que nous c'est des vecteurs un peu bizarres, mais quand j'avance de une unité, ici, je vais monter de mon gradient. Ok ? Mais ce que je vais faire, c'est que je vais descendre de ce gradient-là. Et donc, je vais prendre mon W qui est ici. Et au lieu de prendre cette valeur-là, eh ben, je vais l'enlever. Et ça va être lui, mon nouveau W. Donc ça, si c'est W0, ça va être le nouveau W1. Enfin, le prochain set de W. Donc je vais calculer tous ces nombres-là pour W1, W2, W3. Enfin, moi, il n'y en a que deux. Il y en a trois, pardon. Il y a W1, W2 et le B. Donc je vais calculer ces trois nombres-là en appliquant cette formule-là. Et je vais l'enlever à chacun de mes W. Tu calcules ces W là. Attends, il est où le W dans ta fonction du coup, le paramètre WI? Non, mais mes W, je les ai au départ. Oui. Je les ai au départ. On les a collés à ce qu'on voulait. W1, W2 et B. On les a. Lui, c'est W1, lui, c'est W2 et lui, c'est B. D'accord, ouais, je suis d'accord. Je les possède. J'en possède un set. D'accord, oui. Là, on a 0, 0 et 1. Voilà. Alors, on a quoi? On a les W1, les W2, les WB, et on a tous les X1, tous les X2 ici. On les a tous. Ouais, ok. Ok. Et on a tous les YI, qui valent 0 ou 1. Du coup, cette formule-là, on peut la calculer. Regarde, 1 sur N, ce serait 1 sur 300. L'activation, on l'a calculée. L'activation pour chaque ligne. Ouais. Dans ton tableau de... Alors, dans le tableau, là. Je remets rapidement le tableau. Je l'ai où, le tableau? Voilà. Dans le tableau, il y avait ça. Il y avait X1, X2 et Y. Mm-hmm. Et maintenant, on pourrait se rajouter une colonne Z et une colonne A.
Et ici, la colonne Z, ça serait le 14 fois le W1 plus le 9 fois le W2. OK. Ça me fait un nombre. Ce Z, je le passe dans ma fonction logistique, j'obtiens le nombre A. Et ce OK. nombre A avec le Y, je calcule mon coût. Mais mon coût, il va se calculer avec la différence entre tous les A et tous les Y. C'est ça. Bon. Mais le coût, je l'ai. Mais maintenant, je vais pouvoir le dériver par rapport à W1, W2 et B. C'est ça que je suis en train de dire. Et c'est ces formules-là. Ah d'accord, ok. Je vois, ce grand résultat-là, tu le dérives par rapport du coup à W1, par rapport à W2, par rapport Voilà, donc au B. j'aurai des Ok. ronds L sur DW1, j'aurai des ronds L sur DW2 et j'aurai des ronds Ah L voilà, c'est sur ça, parce B. que là, ta fonction en rouge, là, c'est DL sur DW K, un dans certain W1. K. Ah, d'accord, ok, voilà, c'est ça que je voulais. C'était le OK? cas. Donc Ok. soit le premier point, soit le deuxième point, soit le troisième point qui est mon biais. Ouais, d'accord. Et Et donc, du la coup, gueule de oui. la formule, c'est celle-là. Donc elle fait la différence entre toutes les activations et les véritables sorties. Donc en gros, la différence entre le théorique, là je vais mettre le théorique TH, et ça c'est l'expérimental. Donc elle fait la différence entre le théorique et l'expérimental. Et elle multiplie par l'entrée qui nous intéresse pour le poids. C'est ça. Moi, j'ai compris. Fais le calcul. On obtient un nombre. Et ce nombre-là, on vient l'enlever à notre W1. C'est-à-dire qu'on va faire que on va prendre notre W1, on va faire moins la dérivée par rapport à W1, et on va dire que ça, bah, c'est notre nouveau W1. Pour la prochaine itération, quoi. Pour la prochaine itération. Et tu vois bien qu'en faisant ça, comme on était ici et qu'on sait que notre, tu vois, que notre gradient il est comme ça et qu'on va dans ce sens-là, eh bien le point qu'on obtient, bah, il va être là et il y a beaucoup de chances qu'il soit plus proche du min. Ouais. Et donc en réitérant, eh ben, l'idée c'est qu'on va se rapprocher. Alors, je vous arnaque un peu en disant ça, parce que déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des chances que ce nombre-là soit assez gros. Donc en fait, on va mettre un petit alpha ici. Donc on va pondérer notre apprentissage. En fait, ça c'est notre apprentissage. Ça c'est l'apprentissage. C'est là qu'on apprend. On réadapte notre poids par rapport à la dérivée du coût. Et ce alpha-là, c'est ce qu'ils appellent la vitesse d'apprentissage. Alors, il pourrait se passer un truc pas drôle. En gros, d'ailleurs, moi, j'ai amélioré mon algo par rapport à ce que j'avais lu. Ils font pas comme moi. Enfin, en tout cas, moi, je fais pas comme eux. Mais je pense que les mecs qui font des vrais trucs du genre TensorFlow, machin, ils le font vraiment eux parce que c'est pas possible sinon. En gros, dans le truc que j'avais lu, ils mettent un poids fixe. Une vitesse d'apprentissage fixe. Et la première fois que je l'ai fait, ben, soit tu apprends très mal, soit tu prends 2000 ans à apprendre. C'est ça, Pourquoi? parce que soit tu bâcles, entre guillemets, t'apprends vite, mais du coup tu peux potentiellement dépasser le point minimum et arrêter Et de faire voilà. des va-et-vient. Et au bout d'un moment, alors, si ton pas d'apprentissage est trop petit, c'est-à-dire tu vas avancer, hop, tu vas avancer ici, puis tu vas avancer ici, puis Alors tu tu vas vas avancer prendre. ici, puis tu Au vas moins avancer ici. t'es sûr de pas double, t'es sûr de pas louper le W mine, mais tu vas mettre à temps fou, quoi. Ouais, mais tu vas mettre 3 heures, 3 mois, 3 ans, 3 siècles à entraîner ton modèle. C'est clair. Bon, si Dans tu l'autre prends le cas, plus grand pas, ce qui peut se passer, c'est que tu vas venir là et tu vas te téléporter ici. c'est ça. Ouais, mais le coup d'après, tu vas te téléporter là. Et à un moment, tu vas osciller, en fait. Et vous allez voir dans les exemples que je vais vous montrer, je suis sûr qu'on peut prendre un modèle et on verra que ben, la droite, elle se fait mal, un coup elle va à gauche, un coup elle va. Alors, Alors, est-ce que ça vaut pas le les coup deux d'avoir une droites se sorte parlent, hein, mais vous voyez de... qu'il y a une sorte de pif-paf comme ça. Est-ce que ça vaut pas le coup à ce moment-là d'avoir une vitesse d'apprentissage qui pourtant n'est pas fixe mais qui est dynamique en fonction Ben, moi, c'est ce de... que j'ai fait. J'ai pris, en D'accord. gros, j'ai pris un pas d'apprentissage très grand au début. Et puis, quand ça passe, De l'autre côté, tu repasses de l'autre côté. Enfin, quand ça tu... passe, quand j'apprends bien, en fait, ben, j'augmente même le pas d'apprentissage. Je me permets d'abuser. Et puis, quand je vois que ça déconne, alors je ne sais plus comment je l'ai codé exactement, mais on pourra regarder. Quand je vois que ça déconne, eh ben, mon pas d'apprentissage, je le diminue. Voilà. Typiquement, quand mon coût augmente, voilà. Si par exemple, je suis ici. Si j'arrive là, je m'en fous, j'ai gagné en coût. Par contre, si Oui. l'étape d'après, quand je le fais, je reviens ici,
tu vois, plus haut que... Ouais, je reviens là. Plus haut. Donc, je dis que mon coût a augmenté, du coup, mon pas d'apprentissage est pas bon, donc je diminue de 10% mon pas d'apprentissage. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai fait comme algo. Et ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et ben voilà, après, on a notre boucle, les gars. On a tout fait. Donc, on fabrique notre neurone, on lui met des poids, on lui donne un set, on lui dit, avec les poids... Donc, il prend les entrées grand X. Avec les entrées grand X, il calcule Z. Avec Z, il calcule l'activation. Avec l'activation, on calcule le log de... Enfin, le coût, quoi. Le log de la likelihood. Mmh. Hop, je virerai ça. Avec ça, on fait nos calculs D rond L sur les D rond oméga. On applique WK égale WK moins alpha fois D rond L sur WK. Et après, on reprend X avec les nouveaux... Là, parce que là, il y a tous les W, en fait, hein, à qui on applique. On a besoin des W, là, pour passer de X à Z. Mmh, bien sûr. Donc, avec notre nouveau set de W, on recommence. On va faire une itération. Jusqu'à l'infini. Et donc, je vous montre ce que ça donne. Enfin, on va pouvoir voir un petit bout de code. Juste une question quand même avant de passer sur du code. Ouais. Quel est l'intérêt du coup d'avoir plusieurs neurones? Parce que finalement, avoir plusieurs neurones, simplement découper toutes les entrées en plusieurs. J'imagine, tu vois, dans le cas d'un pont, on aurait. Je te montre et tu vas comprendre pourquoi. Je vais te montrer. Okay. Je te montre et tu vas comprendre pourquoi. On va forcément avoir plus de W du coup. Puisqu'on aura plus de biais sur des neurones intermédiaires. Là, il n'y a rien. Je prends mon train set, je le glisse sur le machin et il me l'a dessiné. Vous voyez que là, il est en train d'apprendre. Ok, et bah, et là, justement, voilà. Donc là, il balotte justement entre un coup. Ouais, mais tu vois que. Le coup, elle est positive, négative. La droite qu'il a, elle est propre quand même. Oui, ah bah, oui, mais il balotte entre les deux. On sent qu'il a deux trucs un peu. Voilà, il hésite un peu. Mais tu vois, ouais, quand il hésite, je veux dire, la frontière pour laquelle il hésite, elle est quand même bien. Ah oui, bien sûr. La partie droite que t'as tracée là, qu'est-ce que c'est? C'est la fonction coût. D'accord. C'est le log. D'accord. Donc on voit bien que ça descend jusqu'à ce qu'à un moment donné, bah, ça balote un petit peu parce que il hésite. Et là c'est mon alpha qui est recalculé à chaque fois. Tu vois, donc là, il a un alpha de 5% à peu près. Donc il prend 5% de la dérivée. Ok. Alors que j'ai commencé à 1. Ok. Voilà. Et donc là, c'est le passage, le fait que ça tremble un peu comme ça, c'est que ben un coup il passe à gauche, puis il passe à droite, puis il passe à gauche, puis il passe à droite, et donc ben il est pas pile poil sur le mine, mais ben c'est pas si mal quoi. Et on pourrait totalement aller changer le set, il serait dessiné autrement et le truc apprendrait. On peut le faire, hein, on peut le faire en direct. Hein. On prend ça, on fait train set, hop, et on va se mettre une nouvelle règle. Donc ça, je peux virer. Ça, je peux virer. Et ici, on peut faire... Alors, je sais pas, moi. On peut mettre... si je mets A2 moins B2, même moins 2 fois B2, tiens, et plus grand que 5. Donc là, il me dit que non. Et j'applique à tout le monde. Alors, j'espère qu'il y aura quand même des 0 et des 1. Hop. Ouais, il y a beaucoup de zéros quand même. Hein. Ah, il y a quelques. Je sais pas ce que ça va donner. Ah, on va tester. C'est rigolo. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc j'ai enregistré. Hop. Je prends mon. Bon, ça, je le relance. Hein. Hop. Tac. Et je prends mon fichier. Et voilà. Ok. Et là, il s'est réentraîné. Ouais, et là, tu vois, le pas est totalement différent. Là, il est à 0,5, 0,6. Ouais. Donc j'imagine que c'est les points verts, les 0, et les points 1, c'est les rouges. Il y en a beaucoup moins. Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, tu vois qu'il est clairement capable de faire la différence entre les deux. Et alors, je pense que là, tu vois clairement la limite d'un neurone. C'est qu'il ne peut séparer le plan que par une droite. Que par une droite. Ah, ok. Donc, du coup, je commence à comprendre. L'avantage, c'est que si je veux avoir plusieurs neurones, je peux, entre guillemets, appliquer plusieurs droites, donc potentiellement des courbes.
Donc imagine, je sais pas. Donc, mais En faisant là, deux on a ensembles. l'exemple de. Alors, j'ai pris deux entrées, donc c'est facile de le représenter par des points. Tu mets x1 ici, x2 ici. Mais après, quand tu auras x3, x4, x5, x6, il n'y a plus manière de redessiner. Mais typiquement, imagine que, je sais pas, tu veux une zone comme ça. Ouais, par exemple. T'es emmerdé là avec ton neurone. Tu vois, parce que le neurone Ah, bien ne fait que sûr. des décrochages linéaires. Alors, c'est là qu'il va y avoir Ah, la c'est différence ça. entre le machine learning et le deep learning. Un neurone ne fait jamais que une séparation linéaire. Toujours, c'est systématique, c'est Alors, ça dépend comment tu l'écris. Une droite, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit AX plus BY plus CZ. Alors, là, si je te le fais là, on est dans R2, donc on est dans le plan. Dans l'espace, ça ferait AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et après, tu peux augmenter comme ça dans les dimensions. Par contre, si tu commences à mettre des trucs comme ça, AX au carré plus BY carré plus CX plus DY plus donc E, et ben là, tu vas commencer à avoir des ellipses ou des trucs comme ça. Donc, ce que tu peux faire, c'est que en entrée dans ton neurone, au lieu de lui donner juste X1, enfin X et Y, là, au lieu de lui donner juste, tu vois, le X et le Y, tu lui donnes X, X carré, Y et Y carré. Et tu lui passes en poids A, B, C, D, E, et bien sûr, il y a le 1. Donc son Z, ça va être ce truc-là. Ok. Et du coup, ça, c'est du machine learning. C'est-à-dire qu'en fait, le machine learning, de ce que j'ai compris, c'est qu'on va jouer sur qu'est-ce qu'on lui passe en entrée. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un gars qui va dire, ouais, mais mon modèle, en fait, il est un peu plus compliqué qu'un modèle linéaire de base. Est-ce que j'aurais pas une idée de à quoi doit ressembler ma frontière? Et est-ce que je pourrais pas lui passer les bons paramètres pour écrire la bonne petite fonction de, comment dire, d'agrégation qui va faire que, ben, au lieu d'avoir une séparation par une droite, j'aurai un truc un peu mieux. Ok. Ça, c'est le machine learning. Le deep learning, il fait pas ça, lui. Il met pas des x, enfin, il est pas là pour dire je vais mettre des x au carré, etc. Il dit juste, ben, en fait, quand on combine plusieurs neurones, eh ben, on obtient le même résultat que ce qu'on aurait fait avec le machine learning, mais sans complexifier les entrées forcément. Donc, tu vas pouvoir dire, par exemple, tu prends trois neurones. Tu leur files à tout le monde x1, x2 et b. Bon, en fait, il faudrait le faire autrement. Il faudrait faire comme ça. Hop. Donc ici, tu en mets grand X. Il y a x1, x2 et b. Et on les file à tout le monde. On les file à lui, lui, lui. Mais on les file aussi à lui, lui, lui. Et on les file à lui, lui, lui. Et donc, eux, ils ont ben, leur poids à eux. D'accord? Donc lui, il y a oméga 1, 1, oméga 2, 1, Donc là, B, 1. à chaque Lui, neurone, il aura oméga 1, 2, oméga 2, 2, B, 2. Non, B, 2 là-haut. enfin bon, on a compris. C'est compliqué. Etc. Mais du coup, Et là, ensuite, alors ici, tu mets un autre neurone. chaque neurone va tracer une droite, en fait, du coup, là, à ce niveau-là. Et on va Alors, voir c'est bien, ouais, là et pour on le va coup, je voir le un dis pas parce que neurone. c'est une famille, mais en gros, maintenant, les sorties de ces neurones-là Oui, vont vont servir devenir des entrées des d'un dernier entrées neurone, neurones. et lui va te balancer une sortie. Oui, donc logiquement, puisque chaque neurone a exactement le même comportement que celui que tu as codé, qui trace une droite, on aurait trois neurones qui vont tracer trois droites différentes, et on va avoir un neurone qui va combiner ces trois droites pour avoir encore une autre sortie. Et là, potentiellement, peut-être une ellipse ou un autre truc, c'est ça? C'est ça un peu, c'est que voilà, il va pouvoir. Mais c'est difficile à juste dire, ouais, c'est quoi l'intersection de trois. Non, ça devient plus. C'est plus subtil que de la géométrie, là. C'est pour ça que les mecs te disent au bout d'un moment, le deep learning, on sait pas trop ce qu'il fait à l'intérieur, ça marche, mais on sait pas. Tu vois, on le laisse faire, il bidouille ses poids tout seul, et puis Ouais, ça ça marche. reste. Il y a l'effet une boîte noire quand même. Ouais, il y a l'effet boîte noire, parce que ça devient vraiment très dur de décrire
ne serait-ce qu'avec quelques neurones, qu'est-ce qui se passe vraiment? Et j'avoue que je ne m'y suis pas encore posé, quoi. Mais pour autant, c'est ce que tout le monde fait actuellement dans le... Mais après, c'est toujours pareil, Seb. Il y a les gars qui ont travaillé le truc, et puis il y a les gars qui utilisent des bibliothèques, ils cherchent pas comment ça marche, ils ont les fonctions fabriquer un nuage de neurones, et puis ils l'utilisent, quoi, voilà. Mmh. Et je veux dire, il n'y a pas besoin de comprendre le calcul différentiel pour pouvoir utiliser TensorFlow. Tu vois que d'ailleurs, et regarde là, elle bouge plus du tout là, quasiment. Ouais, mais là, le truc, c'est pour pouvoir en fait le reconnaître sans même l'algorithme. Désolé, je t'ai fait parler du coup sur les autres neurones. On n'a pas encore vu le code, mais parce que le truc en fait, après, c'est quand même une question d'informatique, c'est-à-dire que justement, en l'UA, tu veux rajouter un petit peu d'IA basé sur des neurones sur ton jeu vidéo, tu peux peut-être pas forcément utiliser TensorFlow dans ton jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, TensorFlow, c'est en Python, donc je vois pas comment je vais utiliser TensorFlow dans mon jeu en Lua. C'est ce que je dis, c'est ça la limite. Et donc, t'as pas forcément des bibliothèques dans tous les langages. Bah, moi, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de fabriquer une bibliothèque aussi opérationnelle que possible, mais en Lua. Ouais, et si moi je veux faire du Godot, tu vois, alors que j'aurai rien plein de quelque chose dans Godot. Ça aussi que ça m'intéresse de savoir, pas forcément faire le truc le plus complexe, tu vois, mais arriver à faire des trucs potentiellement rigolos, quoi. Alors on peut le faire ensemble, hein, moi, ça me gêne pas. Hein. Alors du coup, j'étais un peu retardé. Non, le code. Alors, peut-être commencer par le main d'abord, comme ça je vous montre l'idée générale. Donc, ça c'est pour faire du calcul matriciel, on s'en fout un peu. Ça c'est pour charger, vous savez, quand je glisse du CSV, il récupère toutes les données. Donc dans des listes, je récupère les X, les X1, X2 et les Y. Et le perceptron que je liste. Là. C'est toi qui l'as écrit, j'imagine, perceptron. J'ai tout écrit. Ah, mais, d'accord, le CSV Matrix 2 aussi. Ouais, j'ai tout écrit. Tout est à moi. Ça n'existe pas, j'ai pas trouvé de truc qui dit ça. Et même mon. Même sur GitHub, j'ai cherché Matrix en Lua, j'ai pas trouvé. Après, bonjour Benoît, tain, je m'en fous. Mais c'est pas grave, je me suis refait ma bibliothèque de calcul matriciel. Là, j'ai à peu près toutes les fonctions dont j'avais besoin. Là. Un jour, si vous voulez qu'on parle de calcul matriciel, on peut. Donc, on s'en fout. Donc, ça commence ici. Donc, quand je drop mon fichier, je récupère avec ma fonction CSV2Matrix, je récupère les X, les Y, les headers, je m'en fous. Le X, j'en fais une matrice. Le Y, j'en fais une matrice. Donc, en gros, le X, ça va ressembler à une matrice comme ça. C'est une matrice où les... que je dise pas de bêtises. Ça va ressembler à ça. Donc c'est une matrice à 300 lignes et 2 colonnes. Et il va y avoir X1, X2 pour la première ligne. Enfin donc X1, 1, X1, 2. X2, 1, X2, 2. X3, 1, X3, 2. Jusqu'à X301 et X302. Donc ça, c'est mes entrées. En deux colonnes comme ça. Et la matrice DY, ben, c'est la même, mais avec les résultats comme ça. Et là, il y aura 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 sur 300 lignes. Et puis, je déclare un perceptron. J'ai besoin, pour fabriquer mon perceptron, j'ai besoin des entrées. Les Y, je m'en fous parce que je m'en servirai juste pour faire le calcul du coût. Et j'ai besoin du alpha que j'ai mis à 1, qui est mon coefficient d'apprentissage. Et puis je dis que mon perceptron peut commencer à s'entraîner. Et si le perceptron est en mode d'entraînement, eh ben, je l'update avec les entrées et les sorties théoriques. Et puis là, c'est juste du draw où je dessine les points et je dessine. Ça, c'est pour dessiner la frontière. Je fais une ligne entre ce qu'il faut et ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment du détail, on s'en fout. Et là, je dessine les points. Voilà. Et donc, le plus important, quand même, c'est le perceptron. Donc, le perceptron, il a un booléen qui dit s'il est en entraînement ou pas. Les coefficients qui vont être développés. Là, donc, dans W, ça sera une matrice. Donc, ça sera un vecteur colonne. Ah, du coup, je me suis peut-être planté. Non, c'est bon. C'est un vecteur colonne dans lequel il y aura le W1, le W2 et le B.
Le DW, c'est là-dedans que je vais mettre mes dérivés, mes gradients, et pour faire la descente de gradient. Le Z, c'est le vecteur dans lequel je vais agréger les données. Le A, c'est le vecteur dans lequel je vais mettre les probabilités. Le N et le P, c'est les dimensions. Le alpha, c'est l'apprentissage. En fait, j'ai mis 0,5, mais en fait, il est redéfini après, je crois. Et puis, en fait, pour tester, je listais tous les coups, et c'est comme ça que je peux définir... que je peux dessiner ma courbe de coups, comme ça. Mais au final, après, quand dans le mode final, j'aurais plus besoin de liste des coups, je prendrais juste mon coup et je m'emmerderais pas avec. Puis au début, dans liste coups, je mets vraiment une grosse, grosse valeur. Ça, la fonction f, c'est ma fonction de... C'est ma fonction logistique qui me permettra de passer de z à a. Et ça, c'est ma fonction qui me permet de calculer le log de ma vraisemblance. Donc log, loss, je ne sais plus pourquoi ils appellent ça log loss, mais les mecs appellent ça log loss dans les trucs. Et si vous regardez, ben, c'est exactement le calcul qu'il y a. Je vais vous le remontrer. On va essayer. J'essaie de mettre les deux à côté. Hop. Est-ce que ça rentre ou pas? Alors. Donc c'est là, hein. C'est le moins 1 sur n, c'est ça, là, c'est le moins 1 sur self.p, c'est le moins 1 sur n, fois la somme, et la somme c'est ce truc-là, donc c'est la somme des yi log des ai plus 1 moins yi, je vais la remettre bien, yi log des ai plus 1 moins yi log des 1 moins ai, et normalement, c'est bien yi. Log des AI plus 1 moins YI log des 1 moins AI. Et pourquoi je mets crochet 1 Merde. Ah bah ça c'est dans mon... Alors c'est parce que tu es lié à ton modèle en fait. Ouais, je sais plus. J'ai fait ça la semaine dernière quoi. Mais en gros, ça colle avec la formule. Je vois plus pourquoi j'ai mis crochet 1. Alors, il y a quoi dans A? Non, mais si, parce que je sais pourquoi. Parce que A, c'est un vecteur colonne, mais comme je maîtrise des matrices, bah, il faut bien que je lui donne le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Mais il n'y a qu'une colonne, c'est la colonne 1. Donc, c'est pour ça que je mets des 1. Voilà, c'est évident. Je le pensais comme un vecteur, alors que je l'ai écrit comme une matrice. Donc, c'est une matrice à plein de lignes et une colonne. Et donc, pour récupérer le terme à la ligne I et à la colonne 1, je suis bien obligé de mettre A, crochet I, crochet 1. Ça, c'est en fonction de ton modèle. Tu aurais utilisé de l'objet, par exemple. Tu aurais peut-être utilisé un point, quelque chose avec une variable, un truc comme ça. Mais c'est de l'objet. C'est, là, le self.a, c'est une matrice. Et tu vois, elle est définie avec une classe et avec Oui, mais toi, ta matrice... Tes variables de ta matrice, c'est des tableaux également. Les variables de ma matrice sont des tableaux. Là, par exemple, le Y, tu vois, tu fais Y, c'est une matrice à double dimension. Tu as le I en première dimension et tu as le 1 en première dimension. Bon, ouais. YI, c'est de te retourner ton vecteur, c'est ça? Ou ta matrice? Bah, alors, Y, c'est ma matrice, mais pareil, elle a une ligne et une colonne. Enfin, elle a plein de lignes et une colonne. Parce que j'ai tout codé sous forme de matrice, je me suis pas emmerdé. Parce que quand, par contre, là, ça marche bien quand il y en a qu'un seul de perceptron. Quand il y en aura plusieurs, il y a des chances qu'il y ait d'autres valeurs à la place des 1. Oui, je vois. Pour les W. Tu sais, quand on a fait ça, là, il y a des chances que je sais plus où je l'ai fait. Ici, là, il y a des chances que je mette cette colonne-là, je viens la mettre ici, et comme ça, ça me fera une grande matrice avec les autres W là et les autres W là. Ouais, et donc, j'aurai en fait une matrice par colonne de... Chaque colonne serait un perceptron, quoi. Et chaque colonne sera un perceptron dans ma matrice. Ouais. Et ça sera bien plus lisible, à mon avis, dans le code. Possible, ouais, tout à fait. Voilà, c'était ça l'idée. Donc voilà ma fonction log loss. Ça, c'est le calcul des gradients. Bon, on s'en fout. Ça calcule les gradients. Voilà.
C'est-à-dire cette formule-là. Ça. Ça. Ça calcule ces formules-là pour tous les... Donc ça calcule les trois d'un coup. Et je les mets dans un vecteur. Voilà. Et puis après, quand j'update, bah, qu'est-ce que je fais ? Donc pour updater, je prends mes entrées et mes sorties théoriques. Je calcule Z. Donc Z, c'est la somme des WX. Et en fait, c'est exactement le produit matriciel de mes entrées par mon poids W. En fait, quand vous faites un produit de matrice, je vais vous apprendre à faire des produits de matrice si vous ne savez pas. Donc... Moi, je sais. Alors, multiplier une ligne par une colonne. Donc si là, il y a A, B, C et que là, il y a D, E, F. Multiplier une ligne par une colonne, bah, c'est faire exactement A fois D plus B fois E plus C fois F. Donc du coup, ici, je viens mettre X1, X2 et 1. Ici, je viens mettre oméga 1, oméga 2 et B. Et quand je fais le produit, donc ça, j'appelle ça X, c'est ce que j'ai fabriqué. Ça, j'appelle ça W, c'est ce que j'ai fabriqué. Et donc, en produit matriciel, quand je fais X fois W, bah, ça me fait exactement ce que je veux, c'est-à-dire mon Z. Et c'est exactement ce que je fais là. Donc, je fais X fois W et ça me fait Z. Du coup, maintenant, comme j'ai mon vecteur Z, je lui applique ma fonction logistique. Donc, à tous les éléments de Z, je viens appliquer la fonction logistique. J'obtiens mon vecteur d'activation. Maintenant que j'ai le vecteur d'activation, je récupère cette formule-là. Alors, quelle est là ? C'était L. Voilà. Et je viens fabriquer tous mes DW, là, mes dérivés de log par rapport à mes WK, donc cette formule-là, et ça, c'est à cette ligne-là que je le fais. Donc, j'utilise la fonction gradient que j'avais fabriquée, donc je fais DW, et je calcule tous mes gradients à partir de X et Y, connaissant A et Z, il va s'en servir, il le fait proprement. Et ici, je fais la descente de gradient. Donc, je prends mes coefficients W, je leur enlève alpha moins les gradients, et je dis que c'est mes coefficients, c'est mes nouveaux W. Voilà, c'est fait. Ici, je calcule mon coût. Techniquement, en fait, j'aurais même pas besoin de le faire, toute cette partie-là. Là. Cette partie-là, je pourrais la faire sauter et juste faire tourner le truc avec le modèle et le alpha. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure et que Seb avait relevé, c'est que si le alpha est trop petit, le modèle prend 200 ans pour se stabiliser. Et si le alpha est trop grand, il implose et il va un coup à droite, un coup à gauche et c'est tout dégueulasse. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté le alpha par rapport au coût. Donc, je calcule mon coût. Donc, j'utilise ma fonction log loss. Je calcule mon coût et je compare. Si le coût est plus petit que tous les plus petits coûts que j'ai eus, eh ben, je m'autorise à augmenter mon alpha. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on va avancer, je vais le refaire propre là, plus on va avancer et on va se rapprocher du minimum, hein, plus je vais me rapprocher du minimum, et plus mon DW, c'est la hauteur, hein, plus il va être faible. Et du coup, moins je vais avancer. Donc du coup, c'est bien d'avoir un alpha qui augmente quand DW est vraiment de plus en plus petit. Pour quand même pas trop perdre en rapidité. Donc je me dis que si le coût, c'est le plus petit de tous les coûts que j'ai jamais eu, alors je m'autorise à augmenter de 10% ma vitesse d'apprentissage. Si par contre mon coût est plus grand que le dernier coût que je viens de faire, ça veut dire ben, j'ai perdu de l'info, et ben cette fois-ci, je diminue mon pas d'apprentissage de 10%. Et ça marche à peu près, comme vous avez vu, là, ça part très très vite, ça descend très très vite. Et ça coupe assez rapidement. On peut mettre en commentaire, on va voir ce que ça donne. Et on va le refaire tourner. Par contre, on ne va pas prendre un coup de 1. On va même mettre 0,1 et on va voir ce que ça donne. Donc, je reprends mon fichier. Et est-ce que ça... Ah, bah alors là, ça a marché propre. On va voir si on met 1. Bon, le but, c'est que ça ne marche pas. Hein. Voyez, et là, vous voyez qu'on a ce qu'on disait. Il arrive à stabiliser. Ça marche des fois quand même. Hein. Ah non, il redécolle.
Donc il y a des fois où ça marche pas. Et donc c'est pour ça que j'avais fait ça. Et puis ben, les loups, après c'est bon. Hein. Et la seule chose qu'on n'a pas fait, c'est le predict. Et en fait, ben, une fois que votre neurone est entraîné, par exemple, je le relance, je reprends mon set, je le lance. Voilà. Et je fais espace. Ah, il me sort un truc là. Il me sort 17, 5, 1 et il me dit faux. Alors, pourquoi il me dit faux? Parce qu'en fait, il vient de faire la fonction predict. Je l'ai mis ici dans keyPressed. Si key égale space, je mets que le perceptron arrête de s'entraîner. Je fabrique un random de 0 à 20. 0 à 20, je mets 1. J'affiche que x, c'est... Bah, j'affiche ma matrice, hein, donc il me met les trois valeurs. Et puis, je dis si... je calcule predict et je l'affiche. Et alors, il fait quoi predict? Il prend le x qu'on lui a passé, donc juste les trois valeurs. Il calcule le z, il calcule l'activation en appliquant la fonction logistique à z. Et il renvoie, alors il applique après la fonction sortie à a. Et la fonction sortie, elle dit juste si a est plus grand que 0,5, alors enfin tu return vrai quand a est plus grand que 0,5. Donc il a fait son calcul, il a trouvé 14, 2. En fait, le 1, on s'en fout. Je sais pas pourquoi j'ai mis un 1. Si, parce que c'est le 1 du biais. Oui, c'est le x, le y et le biais. 14, 2 et 1. C'est mon biais. OK. Il fait son calcul et il me dit ben, que c'est faux. Alors, je sais plus qu'est-ce qu'on avait mis comme, comme condition. Vous vous rappelez ce qu'on avait mis dans le train set ou pas? Non. C'est plus. Est-ce que c'est encore écrit ou pas? Alors, c'est A2 moins 2B2. Alors, est-ce que si je fais 14 moins 4, ça fait 10? 10, c'est plus grand que 5? Ah, merde! Et donc, ça devrait marcher. 10 plus grand que 5. Ah, fluide. Bah, du coup, il est peut-être à la limite. Bon, là, il n'a pas réussi. Alors, on peut essayer d'un autre predict. L'autre, il a marché ou pas? Oui, mais false. C'est embêtant? J'ai inversé? Attends, c'est un autre. Non, c'est pas là. Putain. Le truc, c'est qu'il... Ah non, là, il coupe dégueulasse. Pourquoi il coupe dégueulasse comme ça? Les poids étaient foireux. Voilà, hop. 2, 6, 1. Là, ça colle, c'est normal. Là, ça marche. Parce que si je fais 2 fois 2, c'était quoi? Si je prends le 2, moins 12, bah là ça marche. J'aimerais bien qu'ils en mettent un vrai. Non, il faut que je clique là-dessus. Ah, ça m'agace. Il me sort faux à chaque fois. Il me sort jamais vrai. Ah, il sort vrai. Vas-y, va comprendre pourquoi. T'as un jeu de spécial pourtant? Les points, il les a pourtant, hein, parce que vu la droite qui trace, ils sont parfaits, ces points. Donc, il a sûrement les bons points. Hein. Je ne sais pas comment les avoir. Est-ce que je pourrais faire un print? Je vais faire un print ici, là. Je vais faire un print. Est-ce que je peux faire comme ça? Là, ça va marcher. C'est pas ça que je veux.
Alors, c'est ça, c'est poids, c'est 1, moins 2 et moins 2. Et il dit quoi? Il dit false. Il me gonfle! Il marche pas mon modèle alors. C'était quoi le truc? Je me rappelle plus déjà. Moins 2 et 2, plus grand que 5. Ah si, là ça marche, hein. Parce que 18 moins 22, ça fait quoi? Ça fait 4. Moins 4 et c'est pas plus grand que 5, donc ça marche. Mais je comprends pas c'est quoi. Pourquoi il a pas les... Bon, j'ai un petit bug là, les gars. Alors, je réfléchis ça, pourquoi il me donne des poids comme ça. Je m'attendais à quoi comme poids? Bah si, c'est bon les poids. Pourquoi je dis que c'est pas bon? Regardez. L'équation, c'est bien 1, donc x moins 2y. Par contre, il a le biais, il a 2,25 alors que moi je voulais 5. Donc en fait, lui, il compare à 2,5, alors que dans la théorie, je voudrais comparer à 5. Donc il n'est pas parfait, hein. Ça, c'est le poids pour le X, ça, c'est le poids pour le Y, et il n'a pas le bon poids pour le B. Mais il n'en est pas très loin. Donc, il va forcément faire des erreurs. Parce que lui, il va faire ça fois X, moins 2 fois ça, moins ça, et il va comparer à 0. Donc, il va lui manquer un 2,25 à chaque fois. Bon, si ça marche. Bon, les gars, voilà. Est-ce que vous avez des questions, d'autres trucs? Parce que moi, j'ai tout dit. Alors, je sais que je suis passé vite sur plein de trucs, notamment le calcul matriciel, mais Les calculs matriciels, tu utilises surtout pourquoi pour le, j'imagine pour les multiplications, mais après il n'y a pas trop ouais, trop je de le fais. Tu vois, par fonctions exemple, cette particulières. ligne-là, qui est belle, tu la lis, elle est limpide. Ouais, Ben, je en fait, sais. derrière, il y a beaucoup de choses. Et si j'avais dû l'écrire à la main, ben, c'est un peu plus chiant à écrire, quoi. Non, mais quoi, t'as des matrices à l'identité, des trucs comme ça, même pas? Bah, en fait, le truc, c'est que moi, tu vois, là, le vecteur W, il est de taille 3. Et donc, normalement, il faudrait que je me fasse le calcul pour W1, le calcul pour W2, le calcul pour Ah B. Et le jour où j'ai 17 entrées, ouais. bah, j'aurai toujours que cette ligne-là. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et c'est en ça que je me suis fait chier à le faire, quoi. Après, dans le cadre du jeu vidéo, est-ce que, bon, là, t'as pas encore fait d'application réelle. Pour toi, quelle serait la première application d'un réseau de neurones simple, du machine learning ou autre? Là, j'en ai aucune idée, mais ce que j'ai envie de... j'en ai pas dit, j'ai pas d'idée. Mais ce que j'ai envie de tester, et je vais essayer de le faire dans le courant de la semaine ou de la semaine prochaine, c'est que j'ai juste envie de faire un pong infini à la con. Tu vois, Ouais. voilà, je mets une balle, je mets un pad. Parce que là, par contre, le jeu d'entraînement, il est beaucoup plus complexe à générer aussi. Ouais, c'est ça. Et alors, je vais dire un truc du genre, je vais dire. Moi, je vais jouer, et quand je vais jouer, on sera en mode entraînement. Et donc, voilà comment je vais fabriquer mon set d'entraînement. Je vais Avec, on va dire, envoyer. Donc, différentes mon situations. neurone. Mon neurone, il va prendre le X et le Y de la balle. Il va prendre le X et le Y de la balle. Il va prendre le X de la raquette. Le Y, je m'en fous. Toujours à la même hauteur. Le X de la raquette. Déjà, juste ça. Puis éventuellement, on pourra peut-être rajouter la vélocité de la balle ou un truc comme ça. Mais déjà, juste ces trois-là. Puis le biais, hein. Je vais lui passer un biais. Et je prends ça. Et Ouais, je vais parce que lui c'est vrai que... dire, renvoie-moi, 1, c'est aller à droite, et 0, c'est aller à gauche. Et en gros, moi, pour fabriquer mon set, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que j'appuierai sur droite, eh ben, j'irai stocker dans une table ces paramètres-là. Et je mettrai 1 avec. Et à chaque fois que j'appuierai à gauche, j'irai stocker ces paramètres-là et je foutrai un 0 avec. Voilà comment je fabriquerai ma table. Quand je finirai mon entraînement, je stockerai tout ça dans un fichier CSV ou dans un JSON quelconque. Là, j'ai fait avec un CSV, donc je pense que je garderai le format CSV. Et puis après, je filerai le CSV au neurone, je dirai apprends.
C'était ça mon idée. Alors moi, il y avait un truc aussi qui était assez simple à faire, qui est en lien avec mon travail. C'est que, tiens, attends, j'ai partagé mon écran avec un Paint, ce sera peut-être plus simple, même si moi j'ai pas une tablette graphique, moi j'ai juste ma souris, mais c'est bon, c'est pas grave. Ouais. Bon, ça se voyait qu'il y avait de la tablette, hein. Alors Bah, attends. tu sais, moi j'ai dû faire des cours pendant le confinement, la première année de confinement. J'ai dû faire des cours à mes gamins. Je suis allé chercher en speed une tablette super chère, dégueulasse, pour pouvoir faire cours aux gamins. Et c'est le jour où j'ai fabriqué ce petit, mon petit truc là. Ouais. C'est ça. Donc, après, je vais mettre en. Ouais, Ah non, non. alors attends, faut que je le lise. Chat du vocal. Tu peux tester en repartant de la liste XX de départ et afficher la valeur calculée de Y de départ. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai. Je voulais faire un undo et après je me suis dit, putain, faut que je stocke tous les trucs que j'ai fait sur 10. Non, c'était trop chiant à faire, donc j'ai abandonné. Vous voyez mon écran là? Ça, je sais pas. Ok. Ouais, Alors, moi je suis dessus aussi. je vais t'expliquer un petit cas, peut-être un peu cas d'école, mais c'est assez rigolo aussi, parce que je pense qu'il y a moyen d'avec un simple perceptron de trouver, de diagnostiquer en fait certains cas. On a des. Donc c'est pour le travail en fait. On a donc des installations qui mesurent via des sondes des niveaux de température. Donc jusque-là, il n'y a pas trop de problème. C'est-à-dire que tu vas avoir un petit point, on va dire que sur l'axe des Y, c'est la température, et puis sur l'axe des X, c'est le temps. Hein. Donc on va avoir la température qui monte comme ça au cours de la journée. Hein. Fois elle baisse, monte, et puis vers le soir, elle commence à baisser de nouveau. J'ai mes petits points comme ça. Tac. Le truc, c'est que ce qui est rigolo, c'est que parfois, il y a des idiots. Ils ont mal appairé à certains appareils, ce qui fait que certains appareils sont mal appairés entre eux. Et donc, du coup, sur la même installation, je me retrouve avec deux appareils. Et ce qui fait que le graphe, parce que là, du coup, moi, après, j'ai mes points, avec un logiciel, bah, c'est simple, je les relis pour faire la droite. Voilà. Et dans ce cas-là, donc ça c'est tout va bien. Et dans le cas où ça va pas bien, ce qui se passe, c'est que je vais avoir un premier point, puis je vais en avoir un deuxième par exemple ici, puis un autre là, puis un deuxième là, un autre ici, comme ça. Et Et t'as en deux fait, fois la courbe, mais avec un biais. du coup, quand on les relie, ça fait un truc comme ça. Donc quand je les relis dans le temps, ça fait un truc voilà, qui fait un peu ça. Et donc du coup, bon, c'est visuellement on voit tout de suite qu'il y a un problème. Et en réalité, c'est bien parce qu'il y a deux installations différentes, donc deux sondes, mais qui sont sur la même installation. Et normalement, on aurait en fait nos deux courbes comme ça, une ici et Mais puis le une autre. point du haut, il aurait dû être où, Seb? Bah, en fait, il aurait dû ne pas être sur le graphe du tout. Il aurait dû avoir deux graphes, un pour chaque graphe, un pour chaque installation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'en Non, je fait. vois pas en fait. Je comprends pas pourquoi tout d'un coup ils sont sur le même graphe. Parce qu'il y a un idiot qui a mis deux appareils avec le même numéro de série. En fait, les deux appareils font des bonnes mesures, Oui, mais mais du coup, elles se mélangent. se retrouvent mélangés dans le même graphe. Oh putain, mais le... Eh ben, moi j'ai. Il y a la solution, c'est que tu vires les gars qui sont pas capables de bien mettre les. T'as raison. Donc, parce que le truc, c'est qu'après, aller voir dans les graphes 1 à 1 toutes les installations manuellement, c'est horrible. Donc, en général, il faut que quelqu'un se plaigne pour qu'on se rende compte que, ah oui, il y a eu un échange de numéro de série sur l'appareil que vous avez. OK. Ok. Donc, l'idée, ça serait d'avoir un programme qui, par exemple, tous les jours, vérifie le graphe de la veille. Et voir s'il est capable de détecter, parce qu'en réalité c'est très simple. On pourrait effectivement, dans le cas où ça se passe mal, on voit très clairement qu'il y a une droite à dessiner là qui sépare les deux graphes. Dans un cas, il y en a un. Dans d'autres, il n'y en a pas du tout. Parce que normalement, un bon Comment graphe, t'entraînes ton neurone? ben c'est là, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Je pourrais prendre des graphes qui ont le problème, avec donc une série de points qui est mauvaise, et puis d'autres graphes qui sont bons avec des séries de points qui sont bons. En général, du coup, le delta entre les points est... Non, parce que tu confonds deux choses là, Seb. C'est-à-dire que tu confonds tes deux points, enfin tes deux séries de points. En fait, c'est une seule donnée, ça. C'est un seul point ce que tu es en train de me montrer. C'est comment ça un graphe. C'est un seul jeu de données. Là, actuellement, oui, mais ça, je peux en avoir plein. Je n'ai des milliers d'installations, donc je peux avoir des milliers de graphes. Un jeu de données pour nous tout à l'heure. Un seul jeu de données, c'était un point. Et là, un jeu de données, c'est un ensemble de points, oui. Et donc, ce que tu es en train de me montrer là, ton graphe, si tu veux, c'est un point. Oui, et la différence entre le point zigzag et le point pas zigzag. Elle est vachement dure à définir. Et je suis pas sûr qu'elle soit linéaire. C'est pour ça que je te dis, tu confonds tes doubles séries de points séparés par ta droite noire avec le fait que ce que tu m'en montres là, c'est techniquement un seul point. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis que tu confonds. Et je suis pas sûr que ça puisse se faire aussi facilement. Peut-être qu'il faudrait le traiter autrement. Parce que toi, par exemple, dans le cas que tu as montré, comme c'était un seul nuage de points, ton perceptron, il avait forcément que deux entrées, le X, un X et un Y. Je peux te faire un nuage de points. Le jour où j'ai 25 entrées, je ne peux plus. En fait, tu as un point à 25 entrées, là. Bah moi, si j'ai un point toutes les heures, je vais avoir 24 points. Donc, bah je vais avoir un perceptron à 24 entrées. Un point à 24 coordonnées, donc tu es en dimension 24. C'est ça. Mais est-ce que tu penses que c'est jouable? Ouais, je pense que tu prends un point à 24 dimensions et il faut pouvoir lui donner un set qui dit ça c'est des mauvais points, ça c'est des bons points. Ah oui, ça oui, effectivement, mais ça je l'ai le set. Donc, c'est-à-dire le jeu de tes 24 points en 24 heures là. Ouais. Tu lui donnes une liste de 1000 jeux comme ça. Donc tu auras aura une matrice, donc je sais pas si vous voyez sur mon truc à moi, mais donc il aura jour 1, il aura un vecteur comme ça avec 24 données plus un biais, jour 2, 24 autres données plus un autre biais, et donc on a un gros tableau comme ça en 25 par 1000, donc 1000 lignes sur 1000 jours. Et 25 colonnes, plus une sortie Y qui dit ça c'est des bons points et ça c'est des mauvais points. Donc ça c'est des points qui font comme ça, et ça c'est des points qui font zigzag. Et c'est après ça, on peut essayer de donner ça à un perceptron et on voit ce qu'il dit. C'est ça. Autre cas, parce que dans la vue pratique, on a tous les points, on a 24 points, dans la théorie. Dans la pratique, parfois il y a des trames radio qui se perdent, des paquets perdus, etc. Et parfois il y a certains points, on ne les a pas. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre à la place de l'entrée alors? Parce qu'avoir des entrées à la tête dynamique, c'est pas jouable non plus. Non, mais là, il faut que tu fasses de l'interpolation. Ok. Ok. Typiquement, tu vois, t'as un point ici, t'as un point ici, et tu colles un point là, quoi, hein, tu vois. Après, il faut voir le genre d'interpolation que tu veux. Est-ce que tu veux un truc linéaire? C'est pas sûr. Répéter le point précédent? Je sais pas. Alors après, tu sais, il y a plein de théories. Les polynômes d'interpolation de Lagrange, ça te dit quelque chose ou pas? Non, du tout. Alors en gros, je sais plus à quoi ça ressemble les trucs, mais en gros, c'est tu lui donnes des points. Il y a même une version où tu lui donnes les tangentes, donc les F', tu vois. Mmh. Et lui, il te trouve un polynôme qui passe exactement par ces points-là avec ces pentes-là. D'accord. Et il te trouve un truc comme ça, tu vois. Ouais, je vois. Mais bon, encore faut-il avoir les pentes, etc. Les pentes, tu les auras pas. Mais alors, il y a la version sans les pentes. Tu lui donnes juste les points et il fait un polynôme. Le problème, c'est que des fois, il peut te faire des trucs pourris, tu vois, du genre... Tu vois, toi, t'aurais aimé qu'il te fasse ça. Sauf que lui, il te sort ça, tu vois. Mais j'ai même vu dans des graphes où le graphe complet est un ensemble de plusieurs polynômes.
Et donc, à un moment donné, il fait de l'interpolation entre les polynômes, et du coup, ça fait des retours en arrière, des trucs impossibles. Bah, t'as jamais voilà, vu ce genre de truc? Oh là là, c'est une horreur. Tu rigoles. Bah, voilà, oh donc c'est délicat à utiliser ce genre de choses-là. C'est délicat. Mais je sais, c'est plus. Alors là, un mec qui pourrait vraiment t'aider là-dessus, c'est des gens, tu sais, les gens qui font des statistiques à haut niveau, ils ont souvent ce genre de problème-là, justement. Typiquement, les gens qui font toutes les stats de l'INSEE. Si t'arrives à trouver un mec bon en stats à l'INSEE, il t'expliquera comment il fait lui pour compléter les points qu'il n'a pas. Mais je te dis, peut-être que le plus simple que tu as pour pas t'emmerder pour l'instant, c'est Interpolation pour t'as un l'instant. point à J1, t'as un point à J2, bah tu prends la moyenne des J1 et J2, tu le fous au milieu, et puis voilà. C'est vrai que en fait ça marche bien quand il y a normalement une suite logique entre les points. Mais si typiquement dans mon graphe le point J1 et le point J2 ne sont pas liés aux mêmes appareils, le point interpolation ne correspond absolument à rien, tu vois. Le point interpolation ne correspond plus à Bah rien. ouais, mais si ça correspond pas aux mêmes appareils, justement, il faut pas le faire. Mais justement, il faut que tu arrives à déjà trier toutes tes données. Et peut-être avec un perceptron. On pourrait essayer, hein? Si tu me files un set comme ça, en fichier CSV, tu me files un set et on voit ce que sort le perceptron, parce qu'il est codé, hein? Qu'on le mette à deux entrées ou à 25 entrées, pour moi c'est pareil, hein. Ouais, t'as. Faut voir si j'arrive à retrouver un jeu de données assez cohérent. Parce que malheureusement, c'est tout le problème. À part quelques fois où il y a des dégâts du support qui Le ont fait seul qu'ils truc où tombent tu te sur feras des chier, trucs c'est qu'il là. faudra que tu rentres à la main les 1 et les 0. Non, moi, le truc qui me fout chier, c'est que j'arrive à trouver des installations à la main qui ont le problème. C'est ça. Il y en a des milliers, sur des milliers, il n'y en a pas beaucoup, donc je ne suis pas sûr de pouvoir en trouver rapidement Alors, qui ont ça, à la mon avis, c'est situation. un autre problème. C'est-à-dire que si tu as souvent des 1, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui se passe si tu as que des 1? Parce que là, c'est ça. La grande majorité des graphes sont corrects. Il n'y a que quelques-uns qui sont mauvais. Il faut déjà que j'arrive à trouver des mauvais qui serviront d'entraînement sur les mauvais, quoi. Est-ce qu'on peut apprendre à quelqu'un à reconnaître des chats des chiens quand on lui montre que des chats? C'est ça, c'est impossible. Tout à fait. Mais C'est je pense que évident. si. Bah si, parce qu'il a déjà le chat, donc il voit que c'est pas un chat, donc il peut se dire que c'est alors un chien. Tu vois, le Rafi a pas tort. Ouais, Dans c'est un vrai, c'est modèle en vrai. noir et blanc, si tu sais ce que c'est que le noir, tu sais ce que c'est que le blanc. C'est tout ce qui Ouais, est je vois pas ce que noir. tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais c'est une vraie question. Est-ce que si tu me donnes un set avec que des bons sets et que des 1, est-ce qu'il sera capable de sortir un 0? Ouais, il y a Patrick Voilà. qui dit que c'est un autre type de chat. C'est vrai que si tu mets un angora d'un côté et à Oui, côté t'as un raison, c'est vrai. chat C'est de ceux qui n'ont pas de poils, Non, mais qu'on non, soit t'as raison. d'accord, c'est quand T'as même raison, pas c'est juste. optimal, hein. Et qu'on soit d'accord, c'est quand même pas optimal. C'est sûr que sur un set de 1000 valeurs, je préfère avoir 500 valeurs avec des mauvaises, et enfin avec des zéros et 500 valeurs avec des 1. Ouais. Après, si, t'as raison, Patrick, hein, je peux très bien essayer de fournir des vrais jeux de données qui sont très faciles à avoir, et puis faire moi-même des faux jeux de données purement théoriques de ce que pourrait être un mauvais graphe. Et ça, c'est très Ah bah facile à ouais. faire. Il suffit Voilà. simple. Non, j'ai répondu à Patrick sur le chat. Bah ouais, c'est top. Bah Seb, si t'arrives à faire ça, et après on le fout dans mon perceptron et on voit ce que ça donne. Ouais. Et on se fait une petite soirée perceptron pour le teuf de Seb. Ouais, ça pourrait être rigolo, ça. Faudrait que je vois si je peux faire un export SQL de valeur. Parce qu'après, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que dans notre boulot, en fait, il y a plein de choses qu'on se rend compte uniquement en regardant les graphes de valeur. Comme par exemple, on peut détecter, en fait, on a réussi à détecter plein de problèmes en mettant en correspondance, par exemple, les temps de filtration avec des valeurs Et qui tu fais quoi déconnaient. exactement, Seb? Moi, je fais de l'IoT, en fait. C'est quoi? Tout ce qui est à tête des objets. Moi, principalement, je code les serveurs qui gèrent les 1000 connexions en simultané des appareils. Là, je fais pas mal de protocoles également de compression de données, genre de trucs sur de la radio. D'accord.
Mais vu que c'est moi, il y a 10 ans, qui était le seul développeur, c'est également moi qui définis tout le site web, le stream de graphes, la base de données, tout, quoi. Ah là là, ce boss. Ouais. Bon, les loulous, il est 10 h chez moi. Je vais vous laisser. Bah ouais, bah merci beaucoup en tout cas de ton temps. Ah si, est-ce que tu serais Merci d'accord beaucoup. pour partager ton code Lua sur le Perceptron, voir si on peut s'en inspirer, le recoder dans d'autres langages, servir de base en fait? Ouais, soit je vais le mettre sur GitHub, soit je vais faire un petit projet itch et je vais le mettre dessus, ou je vous le glisse là directement dans le chat du vocal. Je sais pas si. Ouais, yes, je vais faire ça. Je vais vous le foutre dans le chat du vocal. Allez. Et hop, ça, au pire, je peux enregistrer. Hop. 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 Ouais, enregistrer. Non, bah non, annuler. Ne pas enregistrer. Ça, je ferme. Du coup, ça, je peux faire.